من نتصخ من داخيد من كهوا بيدوي Qu'est-ce qui a gagné? Qu'est-ce qui s'appelle un vainqueur? Celui qui tient l'arme dans sa main. Qui bevadai bemilchamazot shayalanu beosh hashana v'yom kippour shulachrit zaron shel amalek gashmiut ve'ochniut. Parce que c'est sûr cette guerre qu'on a eue pendant Rosh Hashanah et Kippour, qui était de détruire, de déraciner la descendance de Amalek, matériellement et spirituellement. Bevadai en roim bachush adain man natzach. C'est sûr que physiquement, on ne voit pas encore qui est-ce qui a gagné. Befrat barechut agalut hazeh, shadalin da betamigdash harav, et kol echad over alav ma she'over. Particulièrement dans cette galoute qui est longue, que le betamigdash il a été harav, il a été détruit, et chacun il se passe avec lui ce qui se passe. Ar bichlal Israël bevadai kvar nitzchua milchama. Mais en général, dans la globalité du Ham Israël, la guerre elle a été déjà gagnée. Mais achar sheuchazin amane karva bidoi, du fait qu'ils maintiennent l'arme dans leurs mains. Shehem halulav uminav, qui est le lulav, et c'est minim, c'est-à-dire le lulav avec la hadas. Les hadas et les haravot, tous les minimes, les arba minimes du lulav. Mais achar sheyisrael oskim adayim bemilchama hazot, veochazim ana karva bideon. Puisque le Ham Israël, il est encore attaché à cette guerre, c'est-à-dire qu'il continue à se battre et ils tiennent l'arme dans leurs mains. Shem arba minim, shemit palelim baem, qui sont les arba minim du lulav avec lesquels on fait la prière. Vegomrim alayim et ha'alel. Et on fait le Hallel aussi pendant les 8 jours de Sukkot. Vadai kvar nitzua milchama. C'est sûr que la guerre, elle a déjà été gagnée. Kibe milchama zot zeikar nitzchon milchama. Dans cette guerre-là, c'est le ikar de la victoire dans cette guerre. Keshu chazin et atzmo v'chazin mana karva bidoi. Que on se maintient et on continue à tenir l'arme dans la main. Comme je katav admor zal. Al pasuk besogalav atat shabchem, comme Rabbeinu il a dit dans l'écoute Moharan, il a dit ça dans Chaye Moharan sur le pasuk besogalav atat shabchem, dans l'intérieur de la vague tu vas les louer. Vechen bemakom acher shekol zman sheadam mechazek et atzmo bitfila, tant que l'homme se renforce dans la prière ou tzakal Hashem et écrit vers Hashem itbarach. Ou bichla notzeach hamechama, il fait partie des vainqueurs. Sheze meramez arba minim shuachazim beadaim besukot, achar Rosh Hashanah v'yom kippur. Que à ça, ça fait allusion des 4 minim, les 4 espèces qu'on tient dans les mains après Rosh Hashanah et Kippour. Le fait qu'on tient les arba minim, ça veut dire qu'on est vainqueur déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir encore le résultat de la victoire, de la guerre. Mais on sait que le siman, Le signe qui nous montre qu'on est vainqueur, c'est le fait qu'on continue à se battre. Et même si on n'arrive pas à se battre, mais on tient l'arme dans les mains. C'est-à-dire qu'on n'a pas lâché, on n'a pas posé les armes. On tient l'arme dans les mains, ça veut dire qu'on est toujours là, on se maintient. On fait tout ce qu'on peut pour se maintenir. Comme Rabbeinu, il a dit le Machal, qu'il y avait une ville qui était entourée de murailles. Et les gens, ils essayaient de casser la muraille pour rentrer. Et ils n'arrivaient pas, et toute l'armée, elle essayait, elle n'arrivait pas. Alors il y avait quelqu'un de l'intérieur qui leur a dit, mais ça y est, je vois de l'intérieur que la muraille, elle est presque tombée. Il suffit un tout petit peu de pousser encore, ça va tomber. Alors là, ils ont envoyé tous les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde. Ils sont venus, ils ont poussé, ils ont fait tomber la muraille. C'est-à-dire que maintenant, le ikar de la milchama, la guerre, elle a été faite par les tzadikim déjà. C'est pas à nous de faire cette guerre-là. Cette guerre, elle a déjà été faite par les tzadikim. Et bon, Hachem, ils ont déjà, toute la guerre, ils l'ont déjà gagnée, comme Rabbeinu l'a dit, « Initzarti venatzer ». Rabbeinu l'a dit, j'ai déjà gagné, c'est-à-dire que ce n'est pas maintenant que je vais commencer. La guerre, pour moi, elle est déjà terminée. C'est-à-dire que ce qu'il y avait à faire, c'est principalement, c'est fait. Maintenant, juste, il faut une maturité du monde pour qu'il puisse vivre cette victoire-là. C'est-à-dire que tout ce que Rabbeinu fait, c'est qu'il fait maintenant qu'il y a une participation de l'humanité à cette victoire. Mais la victoire, elle a déjà faite. C'est-à-dire que la guerre, elle a été gagnée, c'est fini.
C'est-à-dire le monde a été réparé et la réussite de l'humanité, elle est irréversible, c'est fini. L'histoire du monde, elle est faite, c'est-à-dire c'est gagné déjà. Maintenant, tout ce qu'on voit des gens qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas, qui montent, qui descendent, qui ont toutes sortes d'épreuves, ça c'est momentané, c'est tout. C'est pas quelque chose qui est important. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va jouer dans le fait de gagner ou pas. C'est-à-dire gagner, c'est déjà gagner. Rabbi nous l'a dit, Nitzarti v'natzer, gamarti v'egmor, j'ai fini déjà. C'est-à-dire que j'ai gagné et j'ai terminé. Donc c'est une grande nechama de savoir ça. Bémet, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On nous laisse prendre part un petit peu à cette victoire. Mais la victoire, elle est faite déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de guerre. C'est-à-dire que la guerre, maintenant, c'est un jeu d'enfant par rapport à ce qu'il y a eu. Il y a des tzadikim qu'ils ont fait la guerre, Bémet. C'est-à-dire qu'ils sont battus dans des moments où l'humanité, elle était en balance, c'est-à-dire on ne savait pas exactement si Béhémeth ça allait marcher ou pas. L'humanité, elle était comme ça, un petit peu, comme on dit, sur la sellette, comme ça, on ne savait pas. C'est-à-dire on savait pas si ça allait marcher ou pas. Mais maintenant, Baruch HaShem, maintenant, il n'y a plus ça. Parce que Rabbeinu, il a déjà obtenu d'Akadosh Baruch Hu que c'est réglé, que l'histoire du monde elle est réglée, que tout le monde est réparé, que tout le monde aura une part au monde futur, même si une petite part, mais il aura une part. Parce que Rabbeinu, il est arrivé à trouver dans chacun des points positifs. N'importe qui, dans la personne la plus éloignée, il est arrivé à trouver un point positif. Donc maintenant, le principal de la guerre, ça a été fait déjà. C'est-à-dire, on a gagné la guerre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, il faut tenir dans sa main les arba minim, c'est-à-dire il faut continuer à prier, à faire ce qu'on peut et être tranquille. Parce que c'est pas nous qui allons vraiment faire la guerre. C'est pas sur nous que ça se passe. Pas nous qui sommes les principaux acteurs de la victoire. Les tzadikim, eux, ils ont déjà réglé le problème, ils ont déjà gagné. C'est-à-dire qu'ils ont tellement affaibli Amalek qu'Amalek, il pourra plus faire des dégâts qui sont irréversibles. Il n'y aura plus de dégâts irréversibles. C'est-à-dire que toutes les armes qu'il va utiliser Amalek maintenant, ça ne sera plus des armes de destruction massive. C'est-à-dire, je parle spirituellement, il n'y aura plus des choses qui vont venir dans le monde qui vont détruire l'humanité par des mouvements, par exemple idéologiques, qui vont être très puissants, des choses comme le communisme, des philosophies qui vont venir ravager le monde, détourner complètement l'humanité, ou bien des grandes religions comme ça qui vont venir, qui vont faire des adeptes dans le monde entier, qui va avoir des millions d'adeptes, etc. C'est fini ça, il n'y aura plus jamais ça, c'est terminé. Aujourd'hui c'est que des bribes de qui restent dans le monde, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Le mal aujourd'hui, c'est que uniquement, il fait semblant il essaye de faire semblant comme quelqu'un qui a perdu, mais il essaye de sauver l'honneur, de montrer qu'il reste quelque chose. Mais Béhémet, c'est-à-dire dans l'essence même des choses, alors c'est terminé. Pour ça, quand la Neshama de Rabbeinu, elle devait descendre dans le monde, alors Yessehara, il a vu ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais si lui il descend dans le monde, moi c'est terminé, j'ai plus rien à faire. Akash Boukhou, il a dit, cette âme, elle va descendre dans le monde et il doit débrouille-toi. Débrouille-toi, c'est tout. Alors lui, il a trouvé un vieux comme ça, etc. Il a dit, ça y est, j'ai trouvé, maintenant il peut descendre, j'ai trouvé comment... Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un vieux, il a trouvé des vieux chassidim, il a trouvé des rabbanim qui ont fait la machloquette contre Rabbeinu, qui ont fait toute une guerre contre Rabbeinu, Rabbi Nathan. Mais même cette guerre qu'ils ont fait, que bah, c'était pas eux ils étaient l'outil du Satan, de Amalek, mais Afal Piken, ils ont fait une guerre, mais c'était en vain, parce que Rabbeinu, il a amené des choses dans le monde qui vont nettoyer l'humanité d'une façon ou d'une autre, c'est terminé. Il n'y aura plus une possibilité au mal de se renforcer contre ce que Rabbeinu, il a amené dans le monde, c'est terminé. En ce qui dit, voilà, on a fait Rosh Hashana, on a fait Yom Kippour. Maintenant, on tient les arba minim. Le fait de les tenir, ça suffit.
Parce que les Maasai, les gens qui font la guerre, ils sont, c'est pas nous qui faisons la guerre. Nous, on est là, juste on tient l'arme. Si on tient, les rabbins nous disent, appuyez-vous sur moi. Moi, je vais faire tchouva pour vous, je vais tout faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à quelqu'un, c'est pas de faire quelque chose. Les gens qui ont fait, ils sont déjà venus dans le monde. Et ils ont fait des grandes choses. Ce qu'on demande aujourd'hui à quelqu'un, c'est de tenir, c'est tout. De tenir, c'est tout, à son niveau, de tenir. C'est pas à peine que faire des grandes choses. De tenir, d'avoir une maison, on fait Shabbat, la cacheroute, la pureté familiale, les choses basiques. Et essayer d'appliquer les sortes de rabbinou, c'est tout. Le reste, ça va se faire tout seul. C'est pas sur nous qu'on attend. Dans le ciel, on n'attend pas sur nous pour gagner la guerre. Le nian de la guerre, ça y est, on l'a réglé déjà. Donc maintenant, on demande aux gens de rester, de s'accrocher, pour que ce qui a été fait, ça puisse se réaliser. C'est-à-dire se réaliser que ce que le tzaddik il a déjà fait, on puisse dans le monde le voir. Et ça, c'est par le maintien de chacun, le fait qu'il se maintient. Ce n'est pas lui de faire la guerre. Parce que faire la guerre, on n'a pas la force, et puis ce n'est pas notre but. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire la guerre aujourd'hui. La seule chose qu'on peut faire, c'est maintenir, avoir une famille, des enfants qui sont éduqués dans la Torah. Voilà, c'est tout. Ça, c'est déjà, pour nous, c'est déjà extraordinaire. On ne peut pas nous demander plus que ça. Parce que ça y est, c'est passé. Les guerres, les grandes guerres, les tzadikim, ils les ont faites. Alors, Rabbi Nathan dit, « Nounhe, passage 55, « et arba minim, hem prinat tikkun hanal, shiulizkot le prinat adam. » Parce que les quatre minimes, les quatre choses qu'on prend à Sukkot, ça c'est pour être zoché de prinat adam. C'est-à-dire d'être zoché d'être un homme, « shebazé oskim beloyamim beelul, atchmini atzeret lamshir deech atchuva hanal. » Que de ça on s'occupe pendant ces jours-là, de Elul jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'à Simchat Torah, d'amener dans le monde les chemins de la Tshuva. Kedelizkot likalel beprinat Adam, pour avoir le mérite de s'inclure dans le Prinat Adam, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé Adam, d'avoir le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, et le Vav qui donne la Tzura de Adam. Shezei ikaratikun shelchet Adam Arishon, vechatae Adorot. Que ça, c'est le ikar de la réparation de la faute d'Adam Arishon et des fautes des générations. Que Adam Arishon l'ikra Adam, parce que Adam Arishon, lui, s'appelait Adam. Kayatzaïch liot nichlal b'chinat Adam et Yoshev ala kise. Parce que lui devait s'inclure dans la prina de Adam, qui est Yoshev ala kise. Il devait s'inclure dans le principe de l'homme qui s'assoit sur le trône, sur une chaise, ici c'est un trône. Upagam az beRosh Hashanah shenivrabo. Et lui, il a fauté dans le jour de Rosh Hashanah dans lequel il a été créé. Vanu oskim bekol shana litaken chet'o vachatai kol adorot shenimshechu misham. Et nous, dans chaque génération, qu'est-ce qu'on fait? On répare la faute d'Adam Arishon et toutes les fautes des générations qui proviennent de cette faute-là d'Adam Arishon. Vatikun al yedede chatshuva. Et maintenant, quelle est la réparation? Comment on répare la faute d'Adam Arishon? C'est par le chemin de la tshuva qu'on a dit de Retso Vachov, c'est-à-dire d'être baki dans Retso et baki dans Shov. Shaedeze Chozrim Venitakni Venasim Prinat Adam. Que grâce à ça, on revient et on répare le principe de Adam. Shehu Prinat Nekuda Tartona ou Nekuda Eliona Vavav Shebetocha Aleph. Qui sont le point d'en bas, le point d'en haut et le Vav qu'il y a dans le Aleph. Aken Achar Rosh Hashanah Viyom Kippur. Maintenant, après Rosh Hashanah et Kippour, que l'âme Israël il a été zoché par le koar du tzaddik d'attirer dans le monde le chemin de la tshuva. Alken besukot notin abaraminim sheklal kavanatam likalel beprinat adam. Maintenant, alors à Sukkot, maintenant on peut prendre les quatre minimes, c'est-à-dire les quatre espèces qu'il y a dans le loulav, pour s'inclure dans le prinat adam. כמו שכתוב בכוונות ארבע מינים שכללותם הוא בחינת אדם שהוא אדם דיבור מעשה עין שם. Maintenant, toutes les ארבע מינים, c'est principe de Adam, que Adam c'est דיבור et מעשה, que c'est lien de la parole et de l'action. כי מבואר בכוונות שארבע מינים הם בחינת ארבע אותיות הוויה. C'est écrit dans les כוונות, dans les כתבי אריזל, que les quatre minim, c'est les quatre lettres du שם הוויה. On voit Sham Shahadas ou Prinat Yud. Là-bas, on voit que le Hadas, je ne sais pas si ça s'appelle la Myrte, je crois, le Hadas, ça s'appelle Yud. C'est la lettre Yud. Ve'arve Nachal Prinat Herishona. Maintenant, les Arve Nachal, les Aravot, les feuilles de sol, ça c'est le He, le premier He
du Shem Havaya. Donc le Yud, c'est la myrte, le He, c'est les feuilles de saule. Va lulav prinat vav, et le lulav, c'est le vav. Va etrog prinat he acharona, et le etrog, c'est le dernier he. Ain sham, c'est va voir là-bas dans les kavanot. Et kol ze prinat adam sheole ma, sheu sham avaya bemilui alfin kayadua. Maintenant, tout ça, c'est Adam. Adam, c'est gematria ma. Adam, ça fait 45. C'est gematria ma. C'est-à-dire quoi? L'homme, c'est quoi? Ça, c'est ça le nial de Adam. Comme il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, quand tu vas parler avec les gens, tu vas leur dire quoi? Vos, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est ça Adam. Adam, c'est gematria ma. Qu'est-ce que c'est ma? C'est Avaya avec Minoul Alfin. C'est quand tu écris le Shem Avaya qui fait 26, mais tu le remplis avec des Aleph. C'est-à-dire que là où il y a une possibilité de mettre un Aleph, tu mets un Aleph. Alors à ce moment-là, ça devient la gematria de 45. Ki Yud He Emprinat Klalut Hashalosh Rishonot. Parce que Yud Ke, ça inclut les trois Rishonot. Les trois premières, c'est quoi les trois premières? C'est Chochma, Bina et Da'at. C'est les trois premières Sphirot. Et Zeprinat Nekuda Eliona, Shuprinat Segol. Et ça, c'est la Nekuda Eliona qui est Segol. C'est-à-dire que c'est le point qu'il y a en haut. Quand tu écris un Vav avec un point, tu mets un point en haut du Vav. Quand tu fais pour écrire haut, il y a un point dans le Vav. Vav Prinat Alulav. Maintenant, le Vav, c'est le Lulav. Qu'est-ce que c'est le Vav? Le Vav, c'est de faire descendre du haut en bas. C'est à ça qui sert le Vav. Le Vav, c'est comme une longue tige. Cette longue tige, elle permet de faire descendre. C'est comme si tu prends le Vav, c'est comme un Yud que tu tires vers le bas. C'est avec ça que tu crées un Vav. Le Yud, il est petit, maintenant tu le continues vers le bas, ça fait un Vav. Donc c'est le principe de faire descendre les choses. Maintenant le he d'en bas, c'est le etrog, c'est le point d'en bas. Maintenant tout le travail, c'est d'amener la splendeur dans le etrog, qui s'appelle un fruit de l'arbre qui est beau. Ça s'appelle le he d'en bas, qui est la nekuda tartona. C'est-à-dire que tout le travail, c'est d'arriver en bas, à réparer le bas. C'est ça le but de l'humanité, c'est de réparer Malchut. Malchut, et Malchut, c'est le hé d'en bas, c'est le étrog. Pour ça que dans les arba minimes, qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir de plus beau? C'est l'étrog qu'on va voir. C'est pas le loulav ou la myrte ou le sol. Ça, on prend que ce soit caché. Mais le icar du hidour, là où les gens ils investissent, et puis là aussi dans l'apparence, c'est-à-dire tu vois qu'est-ce qui est beau, c'est le étrog. Parce que le étrog, c'est le hé d'en bas. C'est la révélation de tout ce qu'on est arrivé à faire descendre, on marche vers le bas. Parce que maintenant, si on prend le yud d'en haut, qui est le hadas, qui est la myrte, alors ça sent bon. Et l'odeur, c'est la neshama. Comme les chamim, ils ont dit, quelle est une chose que le corps ne profite pas? C'est que la neshama qui en profite, c'est l'odeur. Donc la myrte, ça sent bon, le hadas, ça c'est la neshama. Zeprinat nekuda eliona, c'est le point d'en haut. Sheu prinat neshama, veimanichlalinar venachal shem prinat herishona, shenichlalet tamid imayud yachad keyadua. Et maintenant le he, le premier he, il s'inclut avec le yud, comme c'est écrit que le premier yud et le premier he, ils sont toujours ensemble. Et ça, c'est un secret très profond. Il dit, on en a parlé un petit peu en haut. Le chaora d'avar tamoua. Et il dit, a priori, c'est quelque chose d'étonnant. Maintenant, il dit, c'est étonnant qu'on dit que ce hé, le premier hé, il s'inclut dans le premier yud. Parce que le yud, on l'a dit maintenant, c'est la myrte, ça sent bon, c'est la neshama. Et le premier hé, c'est les feuilles de sol. Les feuilles de sol, ça n'a pas ni de goût, ni d'odeur. C'est quelque chose qui fait remède sur les réchaïm, sur les pochim du Ham Israël.
Il dit comment ce hé s'inclut, il est inclus toujours avec le yud. Le yud, c'est parfumé, c'est quelque chose qui a c'est de la neshama. Comment on dit que le hé, qui est la sol, les feuilles de sol, ça s'inclut dans le yud. Maintenant, il faut prendre ces feuilles de sol et aussi les attacher, les inclure dans tout le bouquet qu'on fait, c'est-à-dire avec le loulav et le hadas et le etrog, on met tout ça ensemble. Et pourquoi maintenant, pourquoi on dit que Giora Bishmeshmaya, pourquoi on dit qu'un guerre, il est Bishmeshmaya, c'est-à-dire qu'il est dans les cieux des cieux, c'est-à-dire dans les hauteurs des hauteurs. Pourquoi on dit ça? Qu'on considère le guerre comme s'il est dans les sphères les plus hautes. Sharve Nachal, Shemeram Zimal Poche Israël, Shiyumeru, Meru Mazim Baem Arishona, Le Mala, Mevav, He, Shem Halula, Vayatrog. Parce que les Harve Nachal, qui sont les feuilles de sol, qui font allusion au Poche Israël, aux hommes Israël qui font des Averot. Pourquoi eux, on les met avant le loulav et l'étrog? On fait yud ke vav ke. Alors le yud, c'est la myrte. Le he, c'est les feuilles de sol. Après le vav, on a dit c'est le loulav. Et le dernier he, c'est le étrog. Pourquoi on met les pochés Israël? Pourquoi on met ces gens-là? On les met avant le loulav et l'étrog. Pourquoi on ne les met pas à la fin? Pourquoi on ne dit pas que c'est le dernier hé, par exemple? Bon, c'est les pochim du Ham Israël. Alors on les met à la fin. Pourquoi on les a mis juste après le premier Yud? Ahu prinata muvaleel, alinyan shlosha shabbatim sheben hametzarim. Et il dit, c'est ce qu'on a parlé avant, sur les trois shabbats qu'il y a dans Ben Hametzarim, c'est-à-dire dans les trois semaines, depuis Shva Esre Betamuz jusqu'à Tisha B'Av. Shedaika be'et ayerida v'achurban shel kal Israël. Que maintenant ça soit à l'époque où on vit maintenant, ou bien particulièrement quand chacun y tombe, beaucoup à Tchénophel et Prinat Mekomot Ametunafib, c'est-à-dire que quelqu'un y tombe dans des endroits dégoûtants, chez Asaïr la Chayot et Tsasmol et des Prinat Aye, Mahamar Satoum, qu'à ce moment-là, quand il tombe là-bas, il doit se donner de la vitalité par Aye Mekom Kevodos, il doit demander Hachem. Où es-tu Hachem? Dans cet endroit où je suis tombé, où est-ce que tu es? Je sais que tu es partout, mais je ne te vois pas ici. Parce que si je te voyais, je ne serais pas resté dans ces endroits-là. Je ne te vois pas. Où est-ce que tu es? C'est-à-dire quelqu'un qui est tombé dans les endroits des clipotes, à l'aider à Bakashav à Khipus, Moshkatouf Sham, par le fait qu'il cherche, comme Rabbeinu dit d'abord dans cette Torah de Haïe, que par le fait qu'il arrive à chercher dans les endroits les plus éloignés, avec ça il remonte vers le haut. Maintenant les Harve Nachal, qui sont maintenant les Poché Israël, qui sont des gens qui vivent dans des endroits qui sont dégoûtants. Maintenant de quoi on s'occupe? De les inclure dans ce bouquet qui est un bouquet de Gdusha, où il y a la myrte, où il y a le loulav, où il y a les trogues, et on va mettre dedans ces Harve Nachal, on va les attacher eux aussi, ces gens qui n'ont ni odeur, ni goût, ni odeur, on va les mettre eux aussi là-dedans. Ces gens-là, on doit les attacher précisément dans le premier Yud, c'est-à-dire vers le premier He'e qui est collé à la première lettre qui est Yud. Que maintenant ces gens-là, on doit les attacher à quoi? À Chochma Binadat, c'est-à-dire au plus haut des Sphirot. Que c'est un Mahamar Satoum, c'est-à-dire que c'est des endroits qui sont complètement fermés, où on n'a pas accès, parce que c'est des Chochmot qui sont tellement élevés, c'est une Chochma tellement élevée qu'on ne peut pas l'expliquer. Parce que eux, ces gens-là qui sont éloignés, c'est de là-bas qu'ils vont avoir leur réparation. Comme on voit dans la Torah de Rabbeinu qui dit Aye mais comme Kevodo, et que c'est maintenant, on a parlé déjà de ça, il dit qu'on a vu un petit peu plus haut, que maintenant Dafka, ces gens-là qui sont éloignés, on va les attacher aux Sphirot qui sont les plus hautes.
C'est de là-bas qu'ils vont pouvoir être réparés. C'est pour ça que maintenant, à la fin des temps, qu'il y a des révélations qui sont tellement grandes dans le monde, de la Chokhma, de la Kabbalah, de la Chassidou, des choses qui sont très élevées. Pourquoi sont très élevées ces choses-là? Parce que les gens qui viennent, c'est des gens qui sont très malades. Donc pour maintenant, eux, il faut les attacher là-bas. Si tu leur donnes maintenant, tu leur fais un chiour de Torah de il y a 100 ans, ces gens-là, ils peuvent pas tenir avec, parce qu'ils n'ont pas la force. Ce n'est pas assez fort pour eux. Il faut que tu les attaches au premier yud, pas le dernier ré, que c'est Malchut. Tu dois les amener dans le premier yud. Que le premier yud là-bas, c'est la chokhma la plus élevée qui est d'Akadosh Baruch Hu. C'est les trois premières sphirotes, c'est chokhma binadat. Tu dois les attacher à un niveau très très élevé, très très élevé de Torah. C'est comme ça qu'ils vont avoir leur tikkun. Donc eux, ils sont toujours en train de chercher, parce que les maasés, ils ne peuvent pas voir vraiment des résultats de ce qu'ils cherchent, parce que là où ils cherchent, c'est des endroits très élevés. Et il n'y a pas tellement de manifestations, de résultats dans ces endroits-là. C'est ça qui te dit de tenir l'arme. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir que tu as gagné la guerre. Mais sache que si tu tiens l'arme, c'est sûr que tu as gagné la guerre. Alors maintenant, pour quelqu'un qui est éloigné, tenir l'arme, ça veut dire haïr. C'est-à-dire qu'il demande sans arrêt où tu es, Hachem. Où tu es. Comme dans ces Purim Asiyot, il dit, « Echanani ba'olam, où je suis dans le monde, où tu es, Hachem. » Parce que maintenant, on vit tous dans un niveau de Gdusha qui est très bas par rapport à ce que le Ham Israël il était, et les niveaux de Tzadikim qu'il y a eu dans le monde, même du Ham Israël Pashud, des Yotze Mitzrayim, des gens comme ça qui étaient à un niveau très très élevé. On se trouve très loin de ça. Notre tikkun à nous, c'est juste de tenir, parce que comme on est attaché à un niveau très élevé, ce niveau très élevé auquel on est attaché, il ne se manifeste pas dans le monde. Ça ne se voit pas. C'est-à-dire, c'est pas comme le hétrog. Le hétrog, tu prends, c'est beau, ça sent bon, c'est un fruit magnifique. Mais si tu prends la feuille de sol, c'est pas beau, il n'y a rien du tout de spécial dedans. Maintenant, cette feuille de sol, on l'attache au premier yud, parce que c'est de là-bas qu'il va venir la réparation. On l'a vu aussi dans la Torah Lamed. On a vu dans Parparot la Chokhma, au début des Perushim de la Torah Lamed, il dit là-bas que, justement, plus quelqu'un il est loin, qu'on a dit qu'il faut le plus grand médecin. Pourquoi? Puisque plus quelqu'un il est loin, plus il doit aller haut pour chercher sa réparation. Il ne peut pas se réparer par des choses qui sont en bas, parce que ça ne va pas du tout l'atteindre. Alors ce qu'il rapporte ici, que maintenant, pourquoi les guérim c'est Bishme Shmaya? Pourquoi on dit qu'un guerre c'est Bishme Shmaya? Parce qu'un guerre, il ne peut pas se rapprocher de la Torah avec des choses qui sont communes. Il faut une lumière qui vient de très très haut. Donc le guerre, lui, reçoit de très très haut, comme quand il est venu trop, il a reçu une lumière qui vient de très très haut. De ceux avec, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a rajouté un vav dans son nom, parce qu'avec le tikkun qu'il a fait, qu'il a réparé le yud et le he, alors il a été zoché du vav, que ça donne prinat Adam, que Yitro était zoché d'être metaken prinat Adam. Akash Bokhu, il a dit, avec Yitro, mon nom, il s'est sanctifié dans les mondes supérieurs et inférieurs, parce que lui, le fait qu'il est justement dans toutes les Avodah Zara du monde, et qu'il cherche, qu'il continue à chercher, ça c'est ça qui révèle le plus Hachem dans le monde. Alors nous, maintenant, on a le problème qu'on a, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de résultats de notre travail, parce que comme on s'alimente de choses qui sont très élevées, on n'a pas une possibilité en même temps de profiter de la vision, de la réalisation des choses. Puisqu'on s'alimente à un niveau très très élevé. C'est comme si tu dis quelqu'un, il fait des affaires, il fait du commerce dans des choses internationales, il fait des grandes transactions, etc. Mais tu ne vois pas chez lui, qu'il est riche ou autre. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pas encore arrivé à se transformer en quelque chose de palpable. Pour l'instant, ce qu'il fait, c'est des échanges, mais ce n'est pas encore palpable. Mais ce qu'il est en train de mettre en place, tu vas voir après que ça va être palpable, ça va devenir quelque chose. Mais il y aura un moment, quand il va venir Mashiach Ben Yosef, alors tu vas voir que tout ce qu'ils ont fait les gens, tu vas voir que chacun il a fait des choses merveilleuses. Pour l'instant, ça ne se voit pas, parce qu'on n'est pas encore dans le kécher des Sphirot avec Yesod et Malchut en bas. Quand maintenant Yosef il va se révéler, Mashiach Ben Yosef, ma chère Ben Yosef, lui, il va réunir tous les points de chacun, il va les attacher ensemble. Et tu vas voir que c'était quelque chose de Nifla Meod.
Mais pour l'instant, le fait que nous, on s'alimente des niveaux élevés de la chokhma, même de keter, des choses qui sont très très cachées de l'humanité, très cachées du cerveau de l'homme. C'est-à-dire que nous, on n'a même pas conscience de qu'est-ce qui nous alimente. Parce qu'on ne peut pas voir ce qui nous alimente. C'est ça notre problème aussi. C'est pour ça que souvent, on se décourage, parce qu'on n'arrive pas à réaliser vraiment ce qu'on est en train de faire. Mais pour Hachem, en remerciant, en faisant de la Hoda'a à Kadosh Baruch Hu, remerciant Hachem à chaque fois, tu vas réaliser un petit peu des choses que tu as. Et tu te dis, attends, mais comment moi je suis arrivé à faire des choses comme ça? D'où je viens? Où sont mes copains, mes trucs? Regardez ce que j'ai fait dans ma vie, etc. Mais ça veut dire que il y a une énergie extraordinaire qui m'est donnée pour faire ça. Mais tu ne te rends pas compte, tu ne vois pas vraiment ça. Parce que tu t'alimentes à un niveau très très élevé. Alors maintenant, ce qu'on te demande, c'est de tenir, c'est tout. On ne te demande pas de faire. On te demande de tenir, parce que la force, elle va venir d'Hachem. La force, elle vient du tzaddik, d'Hachem. Lui, il te donne tout pour arriver à tout faire. Et toi, tu dois juste tenir, c'est tout, pour pouvoir être alimenté. Le fait que tu tiennes, ça te permet de recevoir l'énergie d'en haut. Même si tu ne vois pas les maasés, que tu arrives à des grandes choses. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on te demande. Les grandes réalisations, elles ont été faites déjà. Comme on dit, c'est les grandes réalisations, des gens qui ont fait des grandes réalisations dans le monde. Maintenant, les gens qui vivent, c'est que des gens qui développent des systèmes qui sont déjà en place depuis longtemps. Ils développent. L'homme qu'il y a aujourd'hui, c'est juste le développement. Ce n'est pas vraiment des trouvailles extraordinaires, ce n'est pas des grandes découvertes. Les périodes des grandes découvertes, elles sont passées. Maintenant, spirituellement, nous, on est alimenté par des choses très très élevées. On est très bas. Et on est alimenté par des choses très élevées. Et on ne voit pas vraiment le résultat. Tu vois, comme Rabbi Nathan, si tu lui avais dit à Rabbi Nathan, tu vois, un jour, il va être vendu 1 million de l'écouter à la chôte dans le monde, par exemple. Oh, Rabbi Nathan, il t'aurait dit, mais attends, mais comment c'est possible qu'il va y avoir quelque chose comme ça? Comment on va arriver à une chose comme ça? Tu ne comprends pas. Tu dis, Rabbi Nathan lui-même, celui qui a écrit l'écouté à la chôte, s'était jeté complètement à son époque, que la plupart des l'écouté à la chôte qu'il a écrit, on les a perdus. Ce qui nous reste, c'est un petit peu, peut-être le tiers de ce qu'il a écrit. Et avec des nissimes et des nissimes que ça s'est sauvé. Et il a été persécuté toute sa vie, qu'ils ont essayé de le tuer, ils lui ont fait du mal. Comment lui, tu vas voir chez lui qu'il va arriver un jour que ses écrits vont se diffuser dans le monde? C'est très difficile de voir son époque. Parce qu'il avait l'impression qu'il ne faisait rien. S'il n'y avait pas Rabbeinu qui l'a réveillé, au début quand Rabbeinu il a été Nistalek, Rabbi Nathan il était brisé complètement. Pendant un an ou deux, il n'a rien fait, Rabbi Nathan. Il était au Beit HaMidrash, il étudiait, mais il était cassé complètement. Il croyait que ça y est, c'était fini, il avait vécu une aventure merveilleuse. Et puis ça y est, qui est-ce qui va continuer cette histoire-là? Et comment quelqu'un va continuer cette histoire? Qui est-ce qui va y croire, Bichlal? Il est tout seul dans le monde, qui est-ce qui va croire à ça? Qui est-ce qui va croire? C'est qu'il y a quelqu'un, voilà, j'ai vu un ovni, j'ai vu un homme qui vient de l'espace. Et bah, tu diras, alors on va te reposer, ça va te passer, c'est tout. Tu dois avoir des troubles du sommeil ou des trucs, tu as des visions. Rabbi Nathan, ce qu'il avait vu, il fallait le donner au monde. C'est pas évident de le donner au monde, ce qu'il a vu. C'était tellement embryonnaire que c'était pratiquement incroyable. Et plusieurs fois, ils ont cru que la chassido de Breslev, c'était terminé. Il y a eu tellement avec la Shoah, avec tout. Le Ham Israël, combien de fois aussi on a cru que ça y est, l'histoire du Ham Israël est terminée. Et tu vois, pitom, tac, ça repart. Et ça repart de plus belle. Et avec ça, d'où ça vient ça? Ça vient qu'on est alimenté d'un endroit très très élevé. Maintenant, même si on ne voit pas les maasés, une réussite qui est palpable, mais la réussite, elle est là. La réussite, elle est là. Elle est, ça y est, il te dit ici, ça y est, c'est la guerre est gagnée, c'est fini. À quoi il s'est accroché alors, Rabbi Nathan? Pardon? Quand Rabbi Nathan est parti, à quoi il s'est accroché, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, petit à petit, il a... Non, Rabbi Nathan, au début, il n'a pas... Il était brisé, il ne croyait pas. Mais il était au Beit HaMidrash, il voyait des jeunes comme ça, qui étaient,
qui avaient des problèmes, qui étaient cassés, etc. Il leur a parlé un petit peu. Quand il a commencé à leur parler, il a vu que ces jeunes-là, ils commençaient à être très enthousiastes de ce qu'ils racontaient. Alors comme ça, il a commencé à d'avoir un groupe, après d'aller là, etc. Il a vu que les paroles de Rabbeinu, c'était très très fort, que ça réveillait le monde. Et petit à petit, il a pris conscience et s'est rappelé de ce que Rabbeinu lui a dit, etc. Et comme ça qu'il a relancé la machine. Mais après que Rabbeinu soit parti, c'était un choc très très fort. Parce qu'il fallait passer du visible à l'invisible, tu comprends? Très très dur. Nous d'un côté, Baruch HaShem, on n'a rien vu dans notre vie, tu comprends? On a cherché, on a vu que des choses qui sont pas vraiment palpables. Mais imagine-toi que tu as vécu avec des tzadikim, et que ces tzadikim, ils sont partis, et qu'il n'y a rien, c'est très difficile. Il y a un côté où, si tu veux, les gens aujourd'hui qui ne connaissent pas, il n'y a pas des grands tzadikim, etc. Il y a un côté où ils sont moins brisés que des gens qui ont vécu le passage, c'est-à-dire un moment où il y a eu et un moment où il n'y a pas eu. Alors imagine-toi Rabbi Nathan, que lui, il a connu Rabbeinu Mamash. Il était avec lui, il vivait à côté de lui, il a vu qu'est-ce que c'est une Torah de l'écouter au Moran qui a été dite par Rabbeinu, etc. C'était un homme, il était inconsolable, Rabbi Nathan, il ne pouvait pas se consoler. Même qu'il faisait, il a fait ce qu'il a fait, mais se consoler, c'était que Tisha B'Av et Hatzot, c'est tout. Quand il se levait à Hatzot, il pleurait, et à Tisha B'Av, il pleurait, c'était la seule consolation qu'il avait. Mais c'était très très dur. Maintenant, nous, dans nos générations, on voit, bon, Hachem, des milliers de gens qui reviennent vers la Torah. Donc il y a une force. Il y a une force qui est là. D'où ils ont la force, ces gens-là? D'où, voilà, tu as des milliers qui viennent de Bat Yam. Tu as Bat Yam ici. Tu parles de 2000 ou 3000 qui viennent à Oumana Oshana, de Bat Yam. Tu as voilà, le Rav Arouch le jeudi soir, hein, tous les jeudis soirs à 10h30, il fait un cours à Bat Yam. Il y a des milliers de gens de Bat Yam, ils viennent à Oumana Oshana. D'où ça vient ça? D'où tu peux prendre des gens qui ont leur tête, c'est un ballon de football. Tu comprends? C'est ça leur tête. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Comment ces gens-là, tu peux les amener à Oumana Oshana? Comment ces gens-là, tu peux leur dire Rabbeinu, tu leur parles de quelqu'un, ils ne le voient pas. Il n'y a même pas une photo. Tu peux lui dire, voilà une photo, regarde-le, comment il est. Rien, il n'y a rien. C'est quoi ce lien là? D'où ça vient? Tu peux traîner des gens comme ça, des milliers, tu les amènes quelque part, et il n'y a rien. Non, il y a, mais ça ne se voit pas. C'est tellement haut que ça ne se voit pas. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Parce que c'est le seul qui est arrivé à traduire ce qui est invisible. Lui, il t'a traduit ici l'invisible. Il te parle de l'invisible, il te rend palpable l'invisible. Mais sinon, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas t'imaginer que ça existe. Comme on a vu dans le Kitta Lachot de Torah Lamed, il dit « Kim'at she'avarti » J'ai presque raté, je suis presque passé à côté. Je ne me suis pas rendu compte, je ne l'ai pas vu. Je suis passé à côté, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas rendu compte. « Kim'at » presque je ne me suis pas rendu compte. C'est pour ça qu'Rabbi Nathan, il avait cette conscience toujours qui disait à Rabbeinu « Gardez-moi bien proche de vous, que je ne me sauve pas. » Parce que Rabbi Nathan, il savait que c'était un miracle. Pardon. De voir le hors de Rabbeinu, de le descendre comme ça dans le monde, tu dis à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois bien, des gens ils te disent, tu vas à Ouman, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Dis, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais à Ouman? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Dis-moi ce que tu vas faire. Tu peux pas, tu vas lui dire, voilà, c'est Nifla, et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a de Nifla? Je ne comprends pas, il y a des immeubles en béton, il y a des trucs, des Russes, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, viens, tu vas voir, tu vas goûter, c'est Nifla, etc. Mais il n'y a rien de palpable, tu comprends? Il n'y a rien de palpable que tu peux donner un résultat, comme quelqu'un vient, il fait des comptes, il dit, voilà, j'ai gagné tant, voilà, c'est là. Il dit, non, voilà, je fais des affaires, mais je n'ai rien gagné. Comme dans Sipurim Maasiyot, dans le Berger et Ani, dans le Sipurim Maasiyot du... En français, je ne sais pas comment Berger, ils ont traduit le bourgeois ou le... Le marchand et le pauvre, non? Le marchand et le pauvre, voilà. Le marchand et le pauvre. Alors là-bas, la fille de l'empereur, c'est-à-dire la fille de celui qui était pauvre, qui est devenu empereur, et quand elle était sur une île,
Et après qu'elle soit partie avec son khatan et tout, ils se sont perdus, elle était sur une île. Alors il y a un bateau d'un marchand, du fils d'un marchand qui passait là-bas. Maintenant, ce fils de marchand, c'était son père, il voulait le mettre à l'épreuve. Il lui a dit, bon, écoute, moi, je ne sais pas si tu es capable de gérer les affaires, tout ça. On va faire un essai, je vais te donner un bateau avec de l'argent, etc. Tu vas aller faire du commerce dans le monde et on va voir ce que tu es capable de faire. Alors lui, il est parti, il a été dans des pays et tout ça, il a bien réussi, il a rempli tout son bateau de marchandises, etc. Maintenant, il rentrait chez lui pour montrer à son père ce qu'il avait fait. Alors il passe à côté de cette île et il voit, parce qu'elle elle dormait dans les arbres pour se protéger des bêtes sauvages, etc. Alors eux, ils ont vu de loin quelqu'un comme ça dans un arbre. Alors ils sont rapprochés et donc ils l'ont emmené dans le bateau. Alors lui, il était content qu'il a trouvé une femme comme ça, qui va se marier avec elle. Donc elle lui a dit, écoute, moi, je ne suis pas quelqu'un de la rue, etc. Donc il faut que tu me présentes à ta famille, tout ça, et après on se mariera. Alors lui, il était content, et d'accord. Quand ils sont arrivés au port, elle lui a dit, tu vas aller annoncer à tout le monde que de ta famille, que je suis là, qu'ils viennent m'accueillir, etc. Et puis elle a dit, maintenant il faut donner à boire aux matelots pour fêter ça. Donc il a sorti le bon vin qu'il avait. Tous les matelots, ils se sont saoulés, ils sont sortis du bateau. Et lui, il est parti chercher sa famille. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détaché le bateau, elle est partie avec. Donc maintenant, lui, il arrive avec la famille. Il dit à son père, voilà, viens voir. Ils arrivent, il n'y a plus de bateau, il n'y a rien. Il lui dit, mais non, je te dis, le père, il dit, tu n'as rien amené du tout, que tu es en train de te moquer de nous, etc. Et voilà, il a perdu son... tout est parti. Et après, à la fin du maasé, tu vois qu'elle le prend, elle lui rend son bateau, elle lui rend tout, et retrouve tout ce qu'il avait perdu. Maintenant, nous, c'est la même chose. Nous, maintenant, on est dans la période où quand on vient, le bateau, il est parti, il n'y a rien. Elle dit, oui, mais j'étais au Mans, j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait? Et ouais, j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait? Nous, on ne voit pas. On ne voit pas le résultat de ce qu'on fait. C'est très difficile de voir des résultats de ce qu'on fait. Mais il faut continuer à tenir le loulav et les trocs, c'est-à-dire à tenir l'arme. Et ça même, on verra, Bezrat Hashem de Yerouenenu, Ismach Libenu, et un jour on va voir. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit qu'à la fin, ça va être que la Emouna qui va tenir les gens. Ceux qui n'auront pas la Emouna, ils ne pourront pas tenir. Parce que apparemment, tu vas croire que tu as perdu. Et Behemet, tu as gagné. C'est ça ces gens-là qui sont des Arve Nachal, qui sont des plantes qui n'ont ni goût ni odeur. Mais elles sont attachées à des choses très élevées, qui sont la myrte, qui sont bon, qui est à un niveau très élevé, c'est la Neshama. Et eux, ils ont l'impression qu'ils sont jetés comme ça dans le monde, mais ce n'est pas vrai. Ils sont alimentés de très très haut. Et petit à petit, il viendra un moment où ils verront ce qu'ils ont fait. Mais pendant cette période-là, qui est très désagréable, où le monde il est en train de recevoir une réparation de l'intérieur, pas de l'extérieur, de l'intérieur, c'est une réparation profonde. Alors c'est très désagréable, on ne voit pas de résultat. On a l'impression qu'on est jeté, qu'on ne s'occupe pas de nous, qu'on ne regarde pas, que ce qu'on fait c'est rien, etc. Et ce n'est pas vrai. On est en train de faire les choses les plus belles qu'il y a eu dans le monde. Mais seulement, ce n'est pas palpable encore. Et ça va être palpable, ça va venir un moment où ça sera palpable. Pour l'instant, ce n'est pas palpable encore. Comme Rabbeinu l'a dit, un jour on va dire, quoi, toi tu étais Breslev, quand Mashiach va venir et tout, on va dire, quoi, toi tu étais Breslev, toi tu allais à Ouman, à Oshana. Déjà, avant la Géoula et tout, tu connaissais ça. On dit, ouais, moi j'allais. Wow, regarde celui-là, même son père, il allait à Ouman. Regarde ces gens-là. Avant que ça se voit, ils allaient à Ouman, etc. Et maintenant, les gens, ils vont aller, que Mashiach, il va être là. Alors les gens, ils vont faire les sortes de Rabbeinu, etc. Il dit, mais regarde, lui il faisait Idboïdout, que personne ne savait encore dans le monde que ça existait, Idboïdout. Lui, il faisait déjà Idboïdout, il faisait partie des premiers. Faisait partie des premiers qui ont commencé à faire Idboïdout dans le monde, regarde. Alors que la chose, elle n'était pas encore, elle n'était pas connue, elle n'a pas été, comme on dit, officialisée, brevetée par la communauté entière. C'est-à-dire que ce n'est pas été officialisé par tout le Ham Israël, que l'union d'Idboïdout, c'est la avoda la plus importante que quelqu'un doit faire, de parler avec Hachem. Ce n'est pas quelque chose qui a été encore officialisé. C'est pour l'instant, ça reste encore comme des choses un peu de freelance, de gens un petit peu comme ça, qui sont un petit peu décalés. C'est pas vraiment tout le Ham Israël. Mais il viendra un jour, comme Rabbeinu dit, que Mashiach, il va instaurer ça comme une tefila normale.
Comme quelqu'un il fait shachrit, il ira faire après son heure dite boedout, ou avant, ou la nuit, ou quand il veut. Mais il y aura une heure dite boedout kavua, que Mashiach il va montrer au monde ça. Maintenant, on vit le moment le plus désagréable, c'est la préparation. Comme Rabbi Nathan dit que quand on met une graine dans la terre, alors d'abord elle pourrit, c'est la première chose qu'elle fait. C'est-à-dire que maintenant quand tu viens voir la graine à son état de putréfaction, tu dis quoi, de ça il va sortir un arbre, mais tu es fou, regarde. Avant c'était une graine, elle était encore pas mal, mais maintenant c'est devenu ça pourrit complètement, qu'est-ce qui va sortir de ça? Et attends, tu vas voir, ça va sortir. Attends un petit peu que ça passe. Ça. Nous c'est la même chose, aujourd'hui on est dans le haïe, c'est-à-dire on cherche. On dit où il est Hachem? Où il est Hachem? Aïe, aïe, mais comme que vodo, où est-ce qu'il est à Kadosh Baruch Hu? Et donc on a le côté désagréable de la Avoda. Comme il a dit Yitzhak à Abraham, il a dit Aïe Aseleola, où est-ce qu'il est le, où est-ce qu'elle est la brebis pour faire le corban? Tu as dit on va aller, on va faire un corban pour Hachem et où elle est la brebis? Il dit bon, on va aller, tu vas voir, Hachem il va nous donner, il va donner la brebis pour eux. Alors c'est pour ça qu'on tient avec la Emouna. Bon Hachem, on voit des choses un petit peu, chacun à son niveau, mais c'est difficile de les traduire, de montrer aux autres ce que chacun y ressent, parce que c'est très fin, c'est très personnel, très intime comme approche. Alken mevachim rak al lulav. Pour ça que la bracha, on fait que sur le lulav. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Al netilat lulav. On ne dit pas al netilat arba minim quand on fait la bracha. On dit et lulav, de prendre le lulav. On dit que le lulav, c'est tout. L'amshicha or menikuda liuna ikuda tartona, parce que tout le nian c'est le vav. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans la génération du vav, c'est la communication. Le vav c'est le principe de la communication. C'est ça le vav. Le vav c'est le nian de Yosef, c'est le nian de Tikkun HaBrit, c'est la communication. Parce que quand vous prenez toutes les sphirotes, quand vous arrivez en bas, la dernière sphirote qui attache toutes les sphirotes avec Malchut, c'est Yesod. C'est Nian de Brit, c'est Yesod. Et Yesod, c'est Vav. Le Vav, c'est Tikkun HaBrit, c'est le principe de la communication, d'attacher les choses. Rabbeinu dit, tout endroit où tu trouves Tosefet Kedusha, il dit qu'un endroit, que cet endroit-là, il est là où tu trouves plus de Kedusha, c'est-à-dire là où il y a un Vav qui attache. Quand il y a un Vav, alors ça montre qu'il y a plus de Kedusha, parce que ça attache les choses ensemble. Maintenant, toutes les sphirotes, elles ont besoin de Tikkun HaBrit, sinon les sphirotes, elles sont isolées, comme on a vu dans la Torah, dans l'écouté à la Chot de ce matin. C'est-à-dire chaque sphira, elle est isolée, elle travaille dans sa spécificité à elle, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Maintenant, qu'est-ce qui attache toutes les sphirotes? C'est le Vav, c'est Yosef. C'est pour ça que quand Yosef, il est né, Rachel, elle a dit, Yosef, lui, Asaf Hachem et Rechpati, Hachem, il a mis fin à ma honte, et aussi, Yosef, lui, Hachem ben Acher, Akash Bokhu, il va me rajouter un fils. D'un côté, ça a été la fin de la honte. La fin de la honte, c'est quoi? C'est la fin de la Orla, le fait de pas avoir le Brit. C'est ça la honte. La honte, c'est de pas avoir la Brit Mila. Comme ils ont dit, Shimon et Lévi, Hachem, ils ont dit, c'est une honte pour nous, de quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. Donc on ne veut pas se marier avec vous si vous n'avez pas fait la Brit Mila. Ça, c'est honteux pour nous. Quelqu'un qui n'a pas fait Tikkun HaBrit, il est dans la honte. Alors le Tikkun HaBrit, c'est le Vav. Et le Vav, il est motif. Tout l'endroit qu'il y a Vav, en français, c'est quoi Vav? C'est « et ». Voilà, il y a ça et ça. Et quand tu as un vav en hébreu, tu traduis par et. C'est quelque chose qui rajoute, c'est-à-dire qui va lier deux choses. Alors le vav, c'est Tikkun HaBrit. C'est Yosef. Et c'est ça, Mashiach ben Yosef. C'est que la communication. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on vit, ça, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. Qu'il y a des gens, voilà, quelqu'un, il est à Paris, notre ami Aaron, Dan, ils sont là, voilà, ils sont avec nous à Yerushalayim. Ils sont branchés, connectés avec nous. Mais ça, tu le remontrais à l'époque de Rabbi Nathan. Mais les gens, ils peuvent devenir fous de ça. Ils auraient pu devenir fous, perdre la tête complètement d'entendre une chose comme ça. Mais si tu leur dis ça, tu dis, mais ça y est, c'est la Géoula. Mais c'est Mashiach, ça. C'est quoi ce union-là? Ça y est, Mashiach, il est là. S'il y a une chose comme ça dans le monde, ça veut dire que Mashiach, il est là.
Ah, ça se voit pas et tout, il n'est pas sorti vraiment physiquement encore. Il n'a pas dit c'est moi le Mashiach. Mais ça y est, il est en train de se mettre en place. Parce qu'il y a la communication. Le fait qu'on peut communiquer, ça y est, ça veut dire qu'il y a Tikkun HaBrit. Ça, Tikkun HaBrit. Qu'est-ce que c'est le Pgam HaBrit ? Le Pgam HaBrit, c'est quand quelqu'un il est isolé. C'est-à-dire il s'isole du monde. C'est-à-dire qu'il est, il est tout seul. Mais maintenant, ça y est, quelqu'un, il est plat tout seul. Voilà, il est chez lui à Paris, à 3h du matin, il ouvre Internet, il connecte avec des gens, il est à Jérusalem, mais il n'est pas à Paris. Il n'est pas seul. Il ne vit pas seul. Il est attaché avec d'autres gens. Nous, on est attaché avec eux, ils sont attachés avec nous, d'autres avec d'autres, etc. C'est-à-dire, cette communication en elle-même, c'est ça, Tikkun HaBrit. C'est ça, Tikkun HaBrit. C'est qu'il y a des vaves dans le Olam. Ces vaves-là, c'est des crochets qui font que tout le monde entier s'attache. Grâce à la communication. Vous savez, quand il y a un événement dans le monde qui est un petit peu, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, vous voyez, en quelques heures, il se crée des centaines de sites internet, il y a des trucs. Et sur un événement, il y a tout de suite des réactions dans le monde entier. Des gens qui sont partout, ils savent. C'est en train de se réduire. L'espace, il se réduit. La communication, elle est arrivée, quelque chose de niflamé. Ça, c'est le vav. C'est pour ça que toute la bracha, on l'a fait sur le loulav. Parce que le loulav, c'est le vav, c'est sur lui que tout repose. C'était comment il va attacher les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a ça, et ça, et ça, mais comment il va attacher les choses. C'est comme si tu vois quelqu'un, une maman, elle est en train de faire la cuisine, elle est en train de préparer un gâteau. Alors tu vois de la farine quelque part, tu vois de l'eau, tu vois de la levure, tu vois du sucre, tu vois du chocolat en poudre, des trucs. Alors tu vois que des trucs que tout seul, tu c'est pas la farine, ça se mange pas, le chocolat en poudre, ça se mange pas, le sucre, ça c'est pas... C'est... Chaque chose que tu vois pas, tu dis, attends, tu vas voir, maintenant on va mélanger l'eau avec ça, avec ça, avec ça, on va faire la cuisson, il va sortir quelque chose de niflamé. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est qu'on a, on a une chorma pour les attacher ensemble. On attache toutes ces choses-là ensemble, on sort quelque chose de niflamé. Maintenant, nous, on est dans la génération du Vav, dire la régénération de la communication. Pour ça que dans notre génération, tout est basé sur ça. La communication, c'est-à-dire la tfila, Rabbi nous l'a amené que la tfila, que la communication avec Hachem, que transformer tout en moyen de communication. Toute étude, elle doit être un moyen de communication avec Hachem. Toute prière, la prière c'est la communication avec Hachem. Et les individus aussi, ils doivent communiquer. C'est ça le tikkun. Aujourd'hui, tout se passe par la communication, la disponibilité à la maison, communication avec la femme, les enfants. Que communiquer, c'est avec ça que le monde se répare. Il n'y a besoin de rien d'autre. Il n'y a besoin que de ça, c'est tout. C'est le loulav. On fait anetilat loulav. C'est-à-dire qu'on prend le vav, on prend l'outil de communication. Avec ça, on va réparer tout. Toute étude doit être un outil de communication. Que quoi ? Toute étude, ouais. Quand tu fais l'agmara, tu n'as pas l'impression de... Parce que tu ne sais pas, tu sais pas étudier l'agmara en moyen de communication. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est comme si je te montre un fil électrique. Tu vas me dire, mais on peut pas déduire. Comment je vais parler dans le fil? On dit, attends, dis-le, mais comment? C'est un bout de fil, il y a du plastique et du fer. J'entends rien, je parle dedans. Attends, c'est pas comme ça, attends, tu vois. On va mettre en place là un truc, ça. Et tu vas voir, tu vas parler par satellite, tu vas parler dans le monde entier. Avec un bout de fil. Avec des antennes, avec des ondes. Oui. C'est sûr que la Gemara, c'est un moyen de communication. Parce que la Gemara, c'est Torah chez Baal Peh. Qu'est-ce que c'est la Torah orale? C'est la Torah orale. C'est pour que tu parles, pour que tu communiques. Toute la raison pourquoi ils ont écrit la Gemara. C'était assourd d'écrire la Gemara. Normalement, tout l'Agmara, c'était des choses qui se transmettaient de par les générations. C'est la Torah orale. On n'a pas le droit de l'écrire, la Torah orale. Pourquoi on s'est mis à l'écrire? Parce qu'on a vu que les gens pouvaient plus communiquer. Alors on a même l'écrit, on l'a transformé en même l'oral, on l'a transformé en écrit, si tu veux. C'est-à-dire, on a mis en écrit l'oral. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est tout l'écrit, ça devient de l'oral. Aujourd'hui, il n'y a plus, mais même les livres, aujourd'hui, ils sont dans l'écran. Les gens, ils ont des écrans, ils lisent dans des écrans. Les gens, ils n'ont plus le livre mamache dans la main. C'est-à-dire que tout, c'est en train de devenir de la communication. Il n'y a plus de choses qui sont figées. L'Agmara, c'est sûr, c'est un outil de communication extraordinaire.
Ça t'apprend. La Gemara, c'est un outil de traduction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'araméens dans la Gemara. Parce que le Lachon Arami, l'araméen, c'est un langage intermédiaire entre l'hébreu et les autres langues. Il y a de l'hébreu, il y a d'autres langues aussi dans l'araméen. Parce que l'araméen, c'est pour communiquer. C'est pour ça qu'Erev Shabbat, on fait Shnami Kracha Targum. Parce que pour entrer de vendredi de la semaine dans le Shabbat, tu as besoin d'un outil qui te traduit tout ce que tu as vu dans la semaine. Tu as besoin de le traduire en langage de Shabbat. Ça, c'est la paracha que tu fais. Tu l'as fait en hébreu, tu l'as fait en Targum pour pouvoir rentrer dans le Shabbat. C'est la porte d'accès au Shabbat. Rabbeinu l'a beaucoup insisté sur le lien de Shnami Kracha Targum. Pourquoi Shnami Kracha? Pourquoi deux fois pourquoi le Targum on fait deux fois, je ne sais pas. Je me rappelle pas maintenant, mais il y a des explications sur ça. J'ai des idées, mais je ne veux pas dire ce que je sais pas, je ne suis pas sûr pas de dire. Maintenant, le Targum, c'est la possibilité de faire les. Le Targum, il est, si tu veux, dans deux côtés. C'est pour ça qu'il est en même temps Lachon HaKodesh et en même temps de Lachon Goy. Il y a les deux dedans. Et ça te permet d'avoir accès à Shabbat. Tu as besoin de cet outil-là de communication qui s'appelle le Targum. La Gemara, c'est un très grand outil de communication. Mais seulement, il faut savoir la lire, c'est tout. Il faut savoir la vivre, surtout. Il faut la vivre, la Gemara. Si tu la vis, tu vas voir que c'est un outil de communication extraordinaire. Mais seulement, si tu la prends comme une chorma, alors c'est sûr que tu vas pas avoir le rapport avec le vécu. Mais si tu la prends attachée avec le monde, avec le spirituel, avec le matériel, avec tout le vécu, tu vas voir que c'est un outil nifla qui va te parler. Elle est faite pour ça, la Gemara, elle est faite pour te parler. C'est pour ça que les Chachamim l'ont écrite, c'est pour que ça parle au monde, c'est pas pour autre chose. Seulement, il faut savoir comment ça marche. Il faut avoir une initiation à la communication, c'est tout. C'est un moyen de communication. Principe du Vav. Les galotes kvod hadar malchuto, shuprinata etrog. Donc maintenant ce vav, qu'est-ce qu'il va servir? Il va servir à révéler le etrog. Shekol avoda le amshicha idur veaper le prinat etrog. Maintenant tout le travail de quelqu'un, c'est de faire descendre la splendeur, la merveille vers l'etrog. Que l'etrog soit beau, qu'il sente bon. Sheunekuda tartona prinat Yoshua. Que c'est le point d'en bas qui est l'élève, qui est Yoshua. Qu'est-ce qu'il veut à Amalek? Il veut cacher le nom d'Hachem. Nous, tout notre travail, c'est de faire quoi? C'est de révéler le nom d'Hachem. Donc on a besoin du Vav. C'est le Vav qui va nous amener vers le Yud d'en bas pour nous permettre de révéler qu'il y a Hachem dans le monde, c'est-à-dire de voir la splendeur des mondes supérieurs, de les voir dans la matière mamash. Ça, c'est le Etrog. Maintenant, selon comment on arrive à être machné à Amalek, que Amalek, lui, tout son travail, c'est d'essayer au moment où... Puisque maintenant, quand tu te trouves dans le Yud et le He, le premier Yud qui est la Neshama, et le He qui est maintenant le côté amer de Avodat Hashem, où il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût, c'est-à-dire c'est le côté en toi qui est là, qui veut. C'est très très dur, Béhémet. C'est très très dur. C'est des nissimes qu'on arrive à être dans la Torah. Je vous dis que c'est des nissimes. C'est un péléplaïm. Regardez ce qu'il y a dans le monde. Et comment nous, des gens comme nous, comme on est, on arrive à être dans la Torah, avec Hachem, comme ça, qu'on essaye tous les jours et qu'on se bat pour essayer de faire quelque chose dans notre vie avec Hachem. C'est un péléplaïm parce qu'on est dans un dor de Astara. Les choses, elles sont cachées. On ne les voit pas. Tout notre inyan, c'est le Vav qui nous fasse descendre toutes les préparations qu'il y a eu dans le Yudke, qui fait descendre dans le He d'en bas, qui est le Etrog, qui est la splendeur, la merveille, qu'on arrive à voir un petit peu de tout ce qu'on a travaillé. C'est ça le but. Alors maintenant, Amalek, il se met où? Amalek, il se met dans le Vav. C'est là où il se met Amalek. Pourquoi? Parce que si Amalek, il arrive à te traduire, mal te traduire tout ce que tu as fait, alors ça y est, tu as détourné que tu n'arrives pas au Yud d'en bas. Le Yud d'en bas, c'est la fin d'Amalek. Parce que Yeshua, c'est le Yud d'en bas, c'est l'élève. Lui, il tue Amalek. Pourquoi il tue Amalek? Parce que c'est une démonstration de l'existence du Yud d'en haut, le Yud d'en bas. Pourquoi ils ont lutté contre Rabbi Nathan plus que contre Rabbeinu? Parce que Rabbi Nathan, c'était la preuve que Rabbeinu, il était grand. Rabbeinu lui-même, ce n'était pas une preuve qu'il était grand parce qu'on n'avait pas vu encore des résultats de ce qu'il avait fait dans le monde.
Mais Rabbi Nathan, c'est le résultat de Rabbeinu. Donc contre lui, Amalek s'est acharné plus que contre Rabbeinu. Donc c'est pareil aujourd'hui. Il s'acharne sur les gens qui ont une chance de révéler qu'il y a Hachem dans le monde. Des gens qui veulent faire tchouva. Quelqu'un, il a quitté ce qu'il a quitté. Il vient, voilà, il habitait là-bas, il est à Paris, ou il habitait là où il habitait, il avait ça, ou il avait l'autre, et il a laissé ce monde-là pour venir en Eretz Israël. Combien de gens ils se sont trouvés attaqués par d'autres personnes qui disent, mais qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Donc quelqu'un il a dit à l'autre, il dit, tellement tu t'es découragé, tellement tu es désespéré de la vie que tu es monté vivre en Israël. C'est-à-dire tu as échoué complètement alors tu es parti en Israël. C'est-à-dire comme si c'était une poubelle du monde d'Israël, que quand les gens ils sont désespérés et tout, ils viennent habiter en Israël. Regardez comment les gens ils peuvent voir Eretz Israël. Alors que ça, c'est des paroles de Amalek. C'est Amalek qui fait faire croire ça aux gens. Il dit, ouais, bon, tu as été là-bas parce que bon, tu as vu que tu t'en sors pas ici, etc. Tu n'as pas la force de te battre ici. Mais c'est le contraire. Rabbeinu dit Eretz Israël, celui qui habite en Eretz Israël s'appelle Ish Milchama. Au contraire. Alors c'est ça un gibor. Rabbeinu dit le gibor, c'est celui qui habite en Eretz Israël. Il dit celui qui vit en Eretz Israël, il s'appelle un gibor, c'est quelqu'un qui a gagné la guerre. Il ne faut pas croire que celui qui vit en Eretz Israël, il est faible, c'est le contraire. C'est celui qui vit en Chutz La'aretz qui est faible. Celui qui vit en Eretz Israël, il est fort, il a gagné une guerre. Alors lui, il essaie de traduire Amalek qui se met à l'endroit de la communication. Il essaie de traduire tout ce qu'il y a eu en échec. Ouais, qu'est-ce que t'as fait, etc. Et truc, bon, c'est quoi, voilà, et notre ami fait le halon. Il dit, bon, t'as fait un halon, bon, c'est 7000 halon par semaine. Ou... Bon, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris des trucs, bon, tu les envoies, tu sais même pas où ça va, etc. L'Amalek, il essaye de décourager la personne pour au monde. Mais quand tu reçois un appel, quelqu'un il te dit merci, tout, vous savez pas ce que vous avez fait pour moi. Merci de ça. Mais... Ah, tu dis, ah bon, c'est vrai, ça marche quand même, ça fait quelque chose, etc. Et moi, je croyais que ça faisait rien. Je dis, comment tu croyais que ça faisait rien? Comment croyais que ça faisait rien? Je dis, mais je sais pas, moi, je travaille dans le Yud-Ké, moi, je sais pas le Vav, après, ce que ça va faire descendre dans le Hé d'en bas. Moi, je me rends pas compte. Dans le Hé qui est le Yud d'en bas. Je vois pas. Je suis en train de faire, j'en vois ça dans la nature. Je sais pas où ça va exactement. Dis non, je te dis non, de temps en temps, Benou t'envoie quelqu'un, il ne peut pas te montrer ce que tu es en train de faire, sinon tu vas perdre la tête. Si tu vois ce que tu es en train de faire, tu peux devenir fou. Et alors tu ne vois pas. On a des périodes où on n'a que les paroles de mal, c'est difficile. Ouais. Moi, toute la journée, j'ai que des gens qui me disent qu'est-ce que tu es venu faire ici. Ouais. C'est terrible. Mais j'ai pas l'autre côté, à part toi. Non, il faut, tu as Rabbeinu, bon, Hachem, vous avez un petit endroit Breslev là-bas, vous êtes ensemble, il faut parler de Rabbeinu tous les jours. Il ne faut pas passer un jour sans parler de Rabbeinu. Il faut parler de Rabbeinu tous les jours. Tu prends Chayim Waran, en français, Tzadik, Sichot Aran, ce que tu veux, tous les jours, Alim La Troufa, il faut parler de Rabbeinu tous les jours. Avec ça, tu peux lutter contre Amalek. Parce que Rabbi Nathan, c'est la fin de Amalek. Rabbi Nathan, il a tué Amalek. Rabbi Nathan, il l'a terminé, maman. Rabbi Nathan, il a dit avec une page de l'Ikuta Alachot, c'est la fin de Amalek. Une page de l'Ikuta Alachot. C'est ça qu'il faut. Si tu ne prends pas les médicaments tous les jours, tu ne peux pas. Parce que Amalek, partout, il envoie des shlichim. Il y a des gens désespérés partout dans le monde. Il envoie ses paroles sans arrêt. Que ça ne marche pas, et que c'est dur, et si, et l'autre, etc. Pour lutter contre ça, il faut des paroles de Yeshua. Parce que Yeshua, c'est un spécialiste de la lutte contre Amalek. Tu vois bien dans le monde, il y a des pays qui appellent Israël pour leur mettre en place des plans pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi? Israël, c'est un petit pays et tout, mais c'est des spécialistes mondiaux de la lutte contre le terrorisme. C'est des gens qui connaissent tous les systèmes de pour détecter ça et pour ça et pour ça. Parce que c'est des gens que toute leur vie, ils luttent contre Amalek. C'est ça l'existence même d'Israël. C'est première chose, la Chizaro chez l'Amalek, il faut enlever Amalek du monde. Alors tous les pays du monde, ils font appel, ils leur font des formations, ils ont même du matériel, des choses, etc., qu'ils vendent dans le monde. Ça, c'est matériellement ce qu'on voit. Mais spirituellement, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on amène dans le monde la façon de vivre, la façon de penser, la façon de voir les choses, pour lutter contre l'influence de Amalek. Amalek, il veut décourager le monde, il veut montrer aux gens qu'ils sont nuls.
Et Rabbi Nathan, il vient et te dit, non, tu n'es pas nul du tout. Tu es quelqu'un de très très valable. Tu as beaucoup de valeur et tu fais de très belles choses. Prends conscience de ce que tu es en train de faire. Regarde le positif. Regarde les points positifs que tu as, qu'elle mérite de faire ça. Et Ad Rabbi Nathan, il a dû l'écouter à la Moharan, à Alexandrie. Il en fait tout un plat, comme on dit. Il a vendu un l'écouter moi quand il était en Égypte. Et il dit, waouh, ouais, j'ai thésauré, voilà ce que j'ai fait. Et le Rav là-bas, j'ai vendu un l'écouter moi, hein, etc. Et il était Sameach Meod de ça. Mais regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Regarde comment ça va. Voilà, 7000 en français, l'autre il fait en anglais, et l'autre il fait en ça, et l'autre il fait en... L'autre, tous les gens, le Shabbat, ils ont des paquets de feuillets de toutes les langues, de toutes les sortes de choses, etc. Toutes les semaines ça vient. C'est nouveau, c'est bien présenté, c'est agréable. Et les gens, ils lisent, même s'ils n'ont pas la force de lire entier, ils lisent une phrase ou deux, ça y est, ça leur donne des forces. Il y a Baruch Hashem Yoshua, ils travaillent, c'est pas... Et travaille seulement, il faut suivre les sortes pour tenir, il faut suivre les conseils. Chez Unekuda Tartona, Prenuti Yeshua, et lui, il doit recevoir le koar de Moshe, il reçoit de Moshe Rabbeinu. Kmoken, it galev, it gaden, it paer, kvod hadar malchuto, beprinat zeshmi leolam. Alors, selon combien on a fait descendre la splendeur de la Chochma dans le Etrog, alors se révèle le nom d'Hachem. Vezezichri les dor dor. Et ça, c'est ma mémoire pour chaque génération, hein, Kadosh Baruch Hu, il dit. C'est ça qu'il dit, la lutte contre Amalek, c'est le même Lachon que Milchama, Lachem ben Amalek, que dor dor. On dit de chaque génération. D'un autre côté, il dit Zrichri, Zezichri, Veshmi, Leolam. Comment il dit Vezezichri les dor dor. Ça, c'est ça ma mémoire dans chaque génération. C'est la lutte. Parce que la splendeur, elle se voit que dans l'élève, dans Yeshua, chez Uprinat Nekuda Tartona, Prinat Bechor Shoro Adarlo, qui a écrit le Bechor Shoro Adarlo, le Bechor de son taureau, c'est lui sa splendeur. Ça c'est dit pour Yosef. Yosef, il était très beau, parce que Yosef, c'est l'Etrog, c'est Yesod, c'est en bas, c'est juste à côté de Malchut. Donc là-bas, c'est toute la splendeur de toutes les sphirotes, elle se manifeste dans Yosef. Quand il y a Yosef, ça veut dire que ça y est, on en finit. Pour ça, quand il est né Yosef, Yaakov, il a dit, allez, on s'en va. On ne reste plus chez Laban. Ça y est, on a terminé. Pourquoi? Parce que maintenant, tant que maintenant, il n'y avait pas Yosef, on ne pouvait pas lutter contre Esav, contre Amalek. Pourquoi on ne pouvait pas lutter? Parce que tous les autres frères, ils sont bien, c'est des tzadikim, mais ils n'ont pas la splendeur de la révélation du Shem Hashem dans la matière. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas la communication, c'est-à-dire le principe de la communication, c'est ça, c'est d'arriver à révéler Hashem dans chaque chose. C'est ça le principe de la communication. La communication, c'est que tu relis tout est relié à Hashem. Comment tu trouves que ça et ça et ça et ça c'est relié à Hashem? C'est ça la communication, l'essence de la communication, qui est le Tikkun Abrit. Donc Yosef, il avait ça. C'est pour ça que Yosef, là où il allait, ça marchait. Yosef, on le met quelque part, on lui dit, tu vas devenir maintenant gérant de la maison de Potiphar, pas de problème. Tu vas devenir le roi d'Égypte, pas de problème. Tu vas aller en prison, pas de problème. Là où il va, ça tourne. Tout se met à tourner. Pourquoi? Parce qu'il y a le Tikkun Abrit, c'est-à-dire ici, comme le truc des molécules qui sont attachées ensemble, que tu vois qu'il y a un principe moléculaire, qu'il y a une attache entre chaque molécule. Dans les sphirotes, toutes les sphirotes, elles sont attachées par Tikkun Abrit. Alors quand maintenant il y a Yosef, qui est Mashiach ben Yosef, lui qu'est-ce qu'il fait? Il attache tout. Ça veut dire il prend le bien qu'il y a dans chacun. Et il l'attache. Et ça révèle Hachem, comme on a vu. C'est pour ça que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Parce que comme ils n'avaient pas d'Ahava entre eux, ils n'avaient pas de communication entre eux, parce qu'ils ne se respectaient pas, ils ne s'aimaient pas. Alors Hachem, il les a tués, parce qu'eux, ils devaient être ensemble pour révéler Shem Hachem, parce que c'était des grands tzadikim. Et eux, qui c'était ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva? C'est les 24 000 qui sont morts dans la Magefa, quand il y a eu l'épidémie qui a tué les gens à l'époque de Pinchas, quand ils ont fait avec les Bnot Midian. Quand ils ont fait des ils ont été avec des femmes goy et tout, alors il y a eu une épidémie, il y a 24 000 qui sont morts. Maintenant, comme ils ont été pogrom dans Brit, ceux-là, alors ils sont venus dans les élèves de Rabbi Akiva pour réparer Tikkun Abrit,
par la Ahava qu'elle est entre eux. Puisque maintenant l'union de Tikkun HaBrit, de Pgam HaBrit, c'est de séparer les choses, de cloisonner la vérité, d'en faire du morcelage de vérité. Le Tikkun HaBrit, c'est de rendre Echad, de prendre tous les morceaux, de les reconstruire. Donc maintenant, eux, c'est 24 000. C'était 24 000 âmes qui étaient mortes là-bas, des gens qui sont morts. Et maintenant, leur Tikkun, c'était qu'il fallait qu'il y ait de la Ahava entre eux. Parce que s'ils avaient Ahava, ils auraient Tikkun HaBrit. Ils auraient réparé le Brit, et à ce moment-là, ils auraient été réparer le monde. Hein? Ils ont réchoué. Ils ont quoi ? Ils ont réchoué, mais à un niveau plus élevé. C'est plus raffiné, tu vois. C'était des tzadikim, c'est plus les gens qui vont avec des goyotes. C'est un autre niveau. C'est-à-dire, c'est au niveau des tzadikim. C'est pour ça qu'après les vieux Rabbi Shimon, il a dit attention, faites attention. Nous, sachez que nous, tout notre travail, c'est la communication. Il faut qu'il y ait de l'ahava entre nous pour qu'on puisse communiquer. Il faut de l'affection, de l'amitié entre nous pour que ça puisse, que les ondes, elles puissent circuler. C'est ça notre tachlit. C'est qu'on puisse se parler. Comme des gens qui sont fâchés, ils disent non, on ne se parle plus. C'est-à-dire qu'ils ont coupé la communication entre eux. C'est dommage, parce que tout le monde perd. Tout le peuple d'Israël, il perd quand il y a une dispute entre des gens. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui se ternit, qui peut pas se révéler. Donc il dit ici que tout se révèle dans Yehoshua, que c'est le point d'en bas, Prinat, Bechor Shoro Adarlo, Prinat, Venatata Meodecha Alav. Ça que tu vas mettre de ta splendeur sur lui, c'est qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe quand il lui a dit tu vas prendre Yehoshua. Et Yehoshua, tu vas le renforcer, tu vas lui donner des forces parce qu'il va lutter contre Amalek. Et tu donneras de ta splendeur à Moshe, tu donneras à Yehoshua. C'est-à-dire que la splendeur de Moshe, tu la voyais plus chez Yehoshua que chez Moshe lui-même. Chez Uprinat Levana, que Yehoshua, c'est le principe de la lune. Et Prinat Yafa Kalevana, comme c'est écrit, belle comme la lune. Parce que l'élève, Yehoshua, c'est la lune. Beprinat Moshe Yefsharlir Ot Hodo Vadaro, comme c'est écrit que Moshe, on ne peut pas voir sa splendeur. Kihu Prinat Hamash Yefsharlistakel Ba'ata. Parce que maintenant, le soleil, c'est le principe de Moshe, on ne peut pas le regarder en face aujourd'hui, ça brûle, c'est trop fort. Kihu Prinat Kisedemit Kasia, parce que c'est maintenant la lumière cachée, le tzaddik, c'est la lumière cachée, se révèle dans l'élève. Alken Behemet Nehema Vayu Migeshet Elav. C'est écrit que les Bnei Israël, ils avaient peur de se rapprocher de Moshe. Vaiten Alpanav Masve. Et Moshe Rabbeinu mettait un masque sur son visage, se couvrait le visage, parce qu'on ne pouvait pas le regarder. C'était insupportable. Il y avait trop de lumière qui sortait de son visage. Kien Lanu Koar Shahir Vofiar Alinu Kvod Adam Malchuto. Parce qu'on ne peut, on n'a pas la force de supporter la révélation qui est malédée Prinat Yehoshua, que par l'élève. C'est tout que, c'est, nous, on ne peut recevoir qu'une lumière lunaire. On ne peut pas recevoir une lumière solaire. C'est trop fort pour nous. Et Prinat Levana, Shemekabelet Mashemesh, la lune qui reçoit du soleil, Prinat Moshe, qui est du soleil, c'est Moshe. Alken Kol Hidur Uba Etrog. C'est pour ça que toute la splendeur, elle est dans le Etrog. Zemash Katou, Valpasuk, Beyad Koladam Yachtom. C'est écrit dans Yov, dans la main de chaque homme, il va signer. Chez Beat Sadik, Beat Smo, Nealam, Boshum Tfisar, Akalede Anasham, Aïncham. Alors Rabbeinu, il dit dans la Torah, Koufmem, 140 qui rapporte ici, il dit le principe, c'est écrit, Beyat Koladam Yachtom, dans la main de chaque homme, il va signer, c'est-à-dire il va mettre un poinçon, un tampon, un sceau. C'est-à-dire maintenant, Rabbeinu dit que le tampon, quand tu le regardes, il est à l'envers, tu ne peux pas le lire. Mais quand tu le mets sur un papier, un support, alors là tu peux le lire. Il dit c'est pareil, le tzaddik, tu ne peux pas le lire. Mais quand il transmet à un élève, alors là tu peux lire. C'est ce que Rabbeinu rapporte dans cette Torah 140. Shiva tzaddik be'atzmo neolambo shum tfisa rakalyede anashav. Le tzaddik, les gens, ils ne savent pas qui c'est. C'est uniquement par les gens qui sont rapprochés du tzaddik que les gens ils peuvent avoir une connaissance quelconque du tzaddik. Qui est anashav et talmidav imprinat Yehoshua. Parce que les gens, les élèves du tzaddik, ils sont le principe de Yehoshua. Aliadam daika nidgale niflaot adrat kedushat tzaddik. Par ces hommes-là, précisément, il va se révéler la splendeur, la merveille du tzaddik, chez Uprinat Moshe, qui est Moshe. Il y a des zénith galak vod hadam malchuto et barach. Grâce à ça, il y a la splendeur d'Hachem qui se révèle, Ugdulato aden cheker, et sa grandeur jusqu'à qui soit limitée à Inu Kanal, c'est-à-dire comme on a dit avant.
C'est-à-dire que maintenant, tout le lien du tzaddik aussi, c'est la splendeur d'Hachem. Qu'est-ce que c'est le tzaddik? Isha Elohim, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire, en lui, tu peux voir que Dieu existe. Quand tu vas voir Moshe Rabbeinu, quand tu vas voir le tzaddik, tu vas comprendre qu'il y a Dieu dans le monde. Alors, quand tu vas voir des élèves du tzaddik, tu vas comprendre qu'il y a le tzaddik. Et quand les peuples ils vont voir le Ham Israël qui est attaché au tzaddik, alors ils vont voir qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans l'Olam. C'est comme ça que le monde il va reconnaître la grandeur d'Hachem. Comme ça que tous les peuples ils vont venir vers Hachem. Quand ils vont voir le Ham Israël, que le Ham Israël il est attaché au tzaddik, et que le tzaddik il est attaché à Hachem, que c'est toute cette, sous cette révélation elle se fait par niveau comme ça, que le tzaddik c'est le soleil, et les élèves du tzaddik c'est la lune. Et après cette lune, elle est considérée du soleil par rapport au Ham Israël. Et l'Ham Israël est considéré comme un soleil par rapport aux nations. Chaque niveau, après, il devient lui-même solaire par rapport au niveau qui est en dessous. Valken Boshana Rabba Besof Sukot Osim Tikunim Gdolim Imarava Beatzma Shenotlim Az. C'est pour ça, Oshana Rabba, que c'est à la fin de Sukot. On fait des grands tikunim avec la Arava. À un moment, on prend que la Arava. On prend que les feuilles de sol, on laisse tout, le loulav, tout, et on prend que la feuille de sol, et après, on va taper comme ça, on tape cinq fois avec il y a des kavanot du Arizal là-bas. Il y a l'idée à Avoda, chez le Kolimé à Sukkot, et Marba, Minim, chez Kisher, Avava, le Mala. Maintenant, pendant tout ce qu'on a fait pendant Sukkot, et qu'on a utilisé les quatre minimes, les quatre espèces du loulav, on a attaché la Arava en haut, c'est-à-dire on a attaché le premier hé avec le yud. פעלו הצדיקים שאתה יכולים לעשות תיקון גדול עם הערבי נחל בעצמם. Donc maintenant les tzadikim, ils ont fait que du fait qu'on a attaché la harava, la sol, au yud, maintenant avec la harava elle-même, on peut faire des tikkunim. Regardez dans l'histoire du monde comment c'est exactement comme ça. Maintenant, il y a eu dans l'histoire du monde, il y a eu des juifs qui s'appelaient Yud, il y a eu des juifs qui s'appelaient He, il y a eu des juifs qui s'appelaient Vav, il y a des juifs qui s'appelaient He. Il y a eu des juifs qui étaient très très haut, que c'était des Neshamot Mamash, des Tzadikim, des grands Tzadikim. Il y avait des Rechaim, des Poché Israël, qui s'appellent He. Après, il y avait des Vav, des Talmidim, qui sont des gens qui ont fait la connexion. Après, il y avait le He, le Etrog, la splendeur qui s'est révélée dans le monde. Tout ça, dans l'histoire du monde, il y a eu. Mais maintenant, les Tzadikim, ils ont tellement travaillé dans le monde, ils ont tellement fait de révélations d'Hachem, qu'aujourd'hui, on prend rien que la Arava, c'est tout. Que les Neshamot qui viennent aujourd'hui, c'est rien que la Arava, c'est tout. C'est-à-dire, c'est rien que le premier Hé. C'est-à-dire, c'est toutes les poubelles qu'il y a eu dans le monde. C'est rien que ça qui vient aujourd'hui. C'est rien que des gens qui sont complètement à côté. C'est la seule chose qui vient. Parce que les Tzadikim, ils ont tellement réparé le monde, que maintenant, c'est comme Sukkot. Maintenant, pendant 8 jours, qu'est-ce que ça fait? Tu as pris le loulav tous les jours avec les quatre minimes, d'accord? Tu les as collés ensemble, tu les as tenus. Maintenant, à un moment, la feuille de sol qui est inodore et qui n'a pas de goût, qui est inodore, elle a tellement été attachée aux autres que maintenant tu peux la prendre toute seule et tu peux faire des tikkunim avec. C'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on prend toutes ces neshamot-là, de gens très faibles, voilà, il n'y a plus de Talmid et Chachamim dans le monde, il n'y a plus des grands personnages de la Torah, il n'y en a plus. Il y a des gens moyens, voire médiocres. C'est tout ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que maintenant on va sortir, c'est comme à la fin de Sukkot. Maintenant on est Karov, Mamash de la Géoula. Alors on prend les Aravot. C'est ça qu'on amène dans le monde. Et c'est ça qu'on fait à la fin de Sukkot. Shana Rabba, on prend que les Aravot, on pose les autres et on prend les Aravot. C'est les gens qui viennent maintenant. C'est des Aravot. Maintenant, quel est le Kavod d'Hachem? Le Ikar du Kavod d'Hachem. C'est que maintenant, tout ce qui était caché dans le Mahamar Satoum, dans Bereshit, là-bas, dans l'endroit où il n'y a pas eu de révélation Mamash, qu'on ne sait même pas qu'est-ce que Hachem il a fait exactement dans Bereshit Bara Elohim. Quand dans le mot Bereshit, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est ce Bereshit-là. Alors ça va sortir maintenant à la fin, dans la Arava. La Arava, elle n'a pas de goût. Elle n'a pas d'odeur. Et là-bas, il y a tout qui va se passer là-bas. C'est-à-dire tout ce qui était caché, ça va sortir dans la Arava. Zeprinat Mashenotlim Arava Levad Beyom Shvi Shil Sukkot Shehu Oshana Rabba. C'est pour ça qu'on prend que la Arava, que la feuille de sol, le septième jour de Sukkot.
כבר תיקוני הפושעי ישראל עד שנתגלה גם בהם כבודו יתברך. Parce qu'on a déjà réparé les rachaïm, les pochés Israël, jusqu'à que maintenant le kavod d'Hachem, il se révèle du Elem et la Gilouille, c'est-à-dire de ce qui était caché, ça se révèle, ça vient à l'évidence. Puisque maintenant tu vois que des gens faibles, et que ces gens faibles-là, et que tu vois d'Afka, que ce n'est pas des gens qui sont du tout reluisants, ce n'est pas des gens de niveau, et tu vois ces gens-là, ils se rapprochent d'Hachem, ils ont envie de servir Hachem, ça veut dire que ça y est, la lumière d'Hachem, elle est descendue dans les niveaux les plus bas, puisque ces gens-là eux-mêmes, ils ont reconnu l'existence d'Hachem. Yitro, il vient, et il dit, il n'y a que Hachem dans le monde. Et il dit, qui c'est Yitro? Yitro, c'est un prêtre de toutes les idolâtries du monde. Il dit, ça y est, si même lui, il a compris, ça veut dire que tout le monde a compris. Ça y est, si même eux, ils viennent, ça veut dire que ça y est. Tout le monde est réparé déjà. Pour ça que tous ces mouvements-là de tchouva qu'il y a, et de Ouman et des milliers de gens qui viennent, ça même c'est la raïa que ça y est, on met à la fin. C'est-à-dire tous les gens les plus faibles, les plus éloignés, ils sont en train de ressentir la présence d'Hachem. Des gens éloignés, tu les vois, regarde, la preuve c'est regarder comment on est, comment c'est dur pour nous la Torah. Même si on fait des efforts, mais c'est dur pour nous, parce qu'on est très, très, on est très matériel, on est des gens qui sont énormément attirés, attachés à la matière. C'est très, très dur pour nous. Et malgré ça, on arrive à faire des efforts, et à faire Shabbat, à faire les mitzvot, aller à Ouman, faire des choses, et on a même des moments de joie, ou des moments où on sort un petit peu de la mesquinerie, de la médiocrité mentale, et on arrive à des moments un peu de joie et tout. Ça veut dire que vraiment, la lumière d'Hachem, elle est arrivée très très bas. On le fait parce qu'on sait que sinon on est foutu aussi. Quoi ? On le fait parce qu'on sait que sinon on est foutu, on s'accroche. Non, mais même, qu'est-ce que je veux dire, on s'accroche. Il y a des instincts, des gens, ils ont des impulsions dans leur cœur. Le niveau qu'on a de conscience et d'énergie mentale et tout, il est très très faible. Ouais. Bah, on tient avec des nissimes, chaque jour c'est des nissimes, on a des nissimes. N'importe qui peut tout envoyer balader en une heure. Il ne faut pas beaucoup, hein, quelqu'un. Tu prends Paul, le plus grand religieux qu'il y a, tu dis, la batterie, elle tient 2 heures, 3 heures, un jour, terminé. Yosef Hatzadik, il est resté 12 ans en prison avec des goïms, en ayant reçu une claque comme ça de ses frères qui ont voulu le tuer. Il n'avait pas eu un moment de pas une question, rien du tout, il était joyeux tout le temps. Nous, 12 ans, 12 heures, prends quelqu'un il rentre en prison, là, en truc garde à vue, quelques heures, il est en morceaux, le banana. En morceaux, tu le sors. Quelques heures, 3 heures, 6 heures de garde à vue. Et il est en morceaux. Des gens, ils sont restés 2-3 mois en prison, ils sont morts. Des gens, au bout de quelques mois de prison, ils sont morts. 2-3 mois en prison, ils sont morts. Ben, pas de force aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas vivre des choses comme ça. Il n'y a aucune force. Les gens, ils n'ont pas du tout de force pour vivre. Alors qu'il y a des gens, ils ont tenu en prison, ils sont restés 20 ans, ils ont écrit des livres, ils ont fait des trucs incroyables. Aujourd'hui, il ne faut pas s'imaginer des choses comme ça. Quelqu'un, il passe un mois ou deux en prison, il est mort, c'est fini. Même s'il veut essayer de faire, il ne peut pas. Son corps lui-même, il va se détruire. Il ne peut pas, il n'a pas de force de lutter contre une chose pareille. Nous, Hachem, ce qu'on tient, c'est des miracles chaque jour. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il envoie une énergie dans des sols, dans des arvénachal. On dit les sols pleureurs. Il y a des sols pleureurs, ils pleurent comme ça. Déjà, ils sont toujours tristes. Mais ils sont à côté du Nahal, ils sont à côté de Nahal Novem, ils sont à côté du fleuve de sagesse. Les éprinat, machinot lima, rava, levad, bimashvish, il soukot, shushana, rabba. Vata, tire, niflaot. Et il dit, maintenant tu vas voir des merveilles. Machamot, nousal, chenitilat, rachavitat, rava, beyomze, ou minhag, nevi'im. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit, les chachamim? Ils ont dit que le fait qu'on prend la rava, au jour de Shohana Rabba, qu'on prend que les feuilles de sol, seules. Ça, c'est minhag, nevi'im. C'est un minhag des prophètes. On a dit avant que tous les prophètes du monde, ils sont inclus dans Yehoshua, que c'est le point d'en bas. Alken tikuna arava, sheim prinat poche Israël, sheir ziram bitchuva kanal.
Maintenant, le tikkun de la Rava, qui sont les pochés Israël, les gens qui sont des mécréants, qui ont fait tshuva. C'est Dafka les Nevim qui sont le principe de Yoshua, que eux ils ont ramené ces gens-là. Chez Kartikun de Echatchuva al Yado, que tout le tikkun du chemin de la tshuva, c'est-à-dire qui est-ce qui s'est montré le chemin de la tshuva du Retsov Hashov, comment faire pour avancer et reculer dans Avodat Hashem, ça c'est Yoshua qui donne ce chemin. Parce que lui il amène le tikkun, c'est de savoir trouver Akadosh Baruch Hu dans tout endroit. Et prinat vetsia sheol inneka, que comme maintenant je descends dans l'abîme et voilà que tu es à côté de moi Akadosh Baruch Hu. À dire cette façon là de pouvoir vivre la Torah et dire que maintenant on est dans une génération de gens faibles, donc on n'attend plus de nous des niveaux très élevés, on attend de nous qu'on sache être conscient que Hachem est partout. Et d'Afka, nous, on peut amener ça dans le monde, parce que nous, on vient d'endroits très, très éloignés. Et nous-mêmes, on est construits de façon très éloignée. Toute notre édification, comment on a été édifié, c'est avec des principes très, très éloignés d'Hachem. Très éloignés. Regardez des gens, après la Shoah, comment ils ont vécu, comment ils ont vécu éloignés d'Hachem, qu'ils ont voulu se fondre dans les goyim et mamash oublier complètement leur identité juive. Ils ont vu où ça les a amené leur identité juive, ils ont eu peur, ils ont dit, ça y est, on va se fondre dans les goyim, on va vivre comme des goyim mamash. Alors quand ces gens reviennent vers la Torah, ils ont la possibilité d'enseigner au monde qu'il y a Hachem dans le Olam. Parce que même le Keli, même le récipient qu'eux sont, il a été abîmé énormément, puisque c'est un récipient qui a été fabriqué d'Amalek, c'est un vêtement d'Amalek, ce qu'ils sont. Comment ils ont grandi, comment les goûts qu'ils ont, leur façon de penser, tout c'est Amalek. Ils sont construits en Amalek, c'est une machine d'Amalek. Et dès là-dedans, ils ont fait rentrer Akadosh Baruch Hu et ils ont changé de chemin. Et ils ont mis le gouvernail vers une autre direction complètement. Alors eux, ils montrent qu'il y a Hachem dans l'Olam. Ils disent, regarde, moi, j'ai été conçu comme un Amalek. On m'a appris à vivre comme un Amalek. J'ai été éduqué comme un Amalek et j'ai laissé tout ça pour venir vers Hachem. Ça veut dire que Hachem, il est grand. Hachem, il est très grand. Même moi, qui étais un produit d'Amalek, j'ai laissé tout ça pour venir vers Hachem. Et même que c'est difficile, je fais des efforts tous les jours. Parce que je sais que c'est ça la vérité. Alors cette vérité qui arrive à être communiquée dans les endroits les plus bas, ça c'est la révélation du nom d'Hachem. Donc c'est ces gens-là qui révèlent Hachem dans le monde, comme on l'a vu dans la Torah Lamed. C'est Ruth qui amène Mashiach dans le monde. David Vamelech, il naît de Ruth. Ruth c'est qui? C'est une guillorette. Elle vient de Moab. Alors elle cherche la vérité. Et elle montre au monde qu'il y a une vérité. C'est vrai que je viens de Moab, c'est bien que je viens de l'endroit le plus éloigné, mais je cherche Hachem, parce que j'ai compris que c'est ça. Comment j'ai compris que c'est ça? C'est parce que Hachem, il est descendu jusqu'à moi. Les tzadikim, ils ont fait descendre la lumière d'Hachem dans ces endroits les plus éloignés, là où je me trouve maintenant. Dans le trou, là où je vis, là, dans la difficulté dans laquelle je vis, là, il y a Hachem, mamash. Zeprinat anenuim, obekol tzad molich keneged libo machziro. C'est ça les nanouïm qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait les mouvements avec le loulav, qu'on prend, et on bouge le loulav dans tous les points cardinaux, et en haut, en bas, sur les quatre côtés, en face de notre cœur, on fait avancer le loulav, on le ramène vers le cœur, dans toutes les directions, on fait ça. Zeprinad Retsovachov, qu'est-ce que c'est ça? C'est Retsovachov, c'est-à-dire on amène, on lance et on ramène. On l'envoie et on ramène. Ça, c'est le principe d'Avodat Hashem. On monte et on descend et on revient. On avance et on revient. Il monte, il envoie, il ramène, il monte et il descend. Zeprinat Bekiyut Anal. Ça, c'est pour apprendre le métier de la tshuva. C'est-à-dire savoir comment ça marche, la tshuva. Prinat imesak shamayim shamata, ve'etzeol sheol neka, quand je monte dans le ciel, tu es là-bas, et quand je descends dans l'abîme, tu es là. Et chen bekol tzad, comme ça, de tous les côtés. Comme chez siyem sham be pasuk. Et ça, quand fait shachar, shkena be'acharityam, gam sham yandecha tancheni. Quand je vais monter dans les ailes de l'aube, je vais résider là-bas. Et dans la fin de la mer, de l'océan,
là-bas aussi ta main elle va me protéger. Ou ben keshu ma'ala lulav ou minav ben shu morid, quand il fait monter le lulav et les autres minim, ou bien quand il les fait descendre, de tous les côtés, bekulam yesholchot veovaot, tous les côtés on va et on vient. Ou bekol sad shem ananuim kol zeu ma shekatavnu lemala, tous ceux ignorent qu'on bouge les abba minim. Regardez les kavanot qui donnent Rabbi Nathan. Avec ça tu peux faire le lulav. Nifla, comment tu peux, à quoi tu peux penser quand, au lieu que tu crois que tu es un idiot comme ça, tu sais pas ce que tu es en train de faire. Alors Rabbi Nathan il te donne de quoi penser, des choses simples et qui incluent toutes les kavanotes du Harizal dans des choses simples. Voilà, tu arrêtes sauve à chauve, tu apprends le métier, aller, venir, ça, tu montes, tu descends, tu apprends le métier, c'est pour te faire entrer ça dans tous les domaines. Valstein, chez Marba, chez Ben Prinat, Aïl Prinat, Im Esak Shamaim, Yeshret Sauve à Chauve. C'est les nian de deux qui font quatre. Comme on voit dans Shabbat aussi. Dans Shabbat, qu'est-ce qu'il y a dans Shabbat? Il y a marqué le balabait, il est dedans. Et le hani, il est dehors. Et il fait passer quelque chose. Alors il dit, il y a achnasa, veyetsia, veachnasa. Il fait sortir, il fait rentrer deux qui font quatre. Parce que, pourquoi deux qui font quatre, il dit? Parce que quand tu montes, en haut même, il y a le aller et venir. Et quand tu descends, dans le en bas aussi, il y a monter et descendre. C'est-à-dire que chacun, il inclut les deux principes. Donc les deux qui font monter et descendre, c'est Bémet, c'est quatre. Parce que la montée, dedans, il y a une descente aussi. Et dans la descente, il y a une montée aussi. Donc ça fait quatre. Ou ben beprinat venafi qui eshretso vachov bekama vekama prinot. Tseich liyot baki bazemeod. Il faut connaître énormément ça. Alkem naneim bekama nenuim. C'est pour ça qu'on fait beaucoup. Beaucoup de fois, on fait on fait trois fois ou quatre fois dans le Hallel, on fait d'aller et venir comme ça dans tous les points cardinaux, en haut et en bas, parce qu'il faut apprendre cette bekiyout là. C'est quelque chose qui n'est pas pashut, de savoir comment ça marche. Quand tu es en haut, il faut savoir aussi qu'il y a la descente dans le haut. Que dans le haut lui-même, il y a une retenue dans le haut. Et en bas, même dans le bas, il y a une retenue aussi. Par rapport à la descente, il y a une retenue. Et par rapport à la montée, il y a une retenue. Il y a une retenue de savoir se limiter, même quand tout va bien, de savoir de ne pas aller trop haut, de savoir s'arrêter dans le progrès, et de savoir s'arrêter dans la chute aussi. De ne pas descendre tout au fond complètement. Comme Rabbeinu dit, tu as mangé du porc, mais il ne faut pas au moins que ça ne coule pas dans ta barbe. C'est-à-dire, arrête. Arrête-toi, ne va pas au fond. Tu es descendu, ok, arrête maintenant. C'est tout, arrête-toi. Ça, c'est le côté monté qu'il y a dans la descente. Et dans la montée aussi, c'est bien, tu es monté et tout, mais arrête, calme-toi, ne va pas trop haut. Parce que tu vas aller trop haut, tu vas pouvoir revenir. Comme ceux qui sont montés avec Rabbi Akiva, ils sont montés. Après, ils ne sont plus revenus. Alors, oui, à quoi ça a servi de monter? Tout le tachlit, c'était de revenir avec ce qu'ils ont vu. Et ils ne sont plus revenus, à quoi ça a servi? Il a avancé, maintenant il veut revenir, il n'arrive plus à revenir, il est parti trop loin. Alors quand tu montes, il faut savoir descendre dans la montée. Et quand tu descends, il faut savoir remonter. C'est-à-dire, bon, que tu es descendu un peu, allez, arrête-toi, ça suffit. Pas besoin d'aller toucher le fond de la mer. Arrête-toi, ça y est, tu es descendu de 5, 10 mètres, 20 mètres, ça y est, arrête, remonte. Alors les deux, c'est une bekiyout. Ici, Rabbi Nathan, il passe comme ça, mais il ne peut pas. C'est des choses. Combien il va ouvrir ça? C'est des choses qui sont tellement profondes. C'est des merveilles du monde, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Celui qui connaît ces techniques-là, il peut se battre contre toutes les épreuves de la vie. Toutes les épreuves. Parce que dans toute montée, il y a un frein. Dans toute descente, il y a un frein aussi. Donc ça fait que n'importe où, il y a toujours une technique pour se reprendre. Toujours une technique, que la richesse, que tu n'aies pas la l'ivresse des profondeurs, c'est-à-dire que la richesse, ça ne te rend pas fou, c'est-à-dire que la richesse spirituelle te fasse perdre la tête. Quand malheureusement, beaucoup de gens, ils ont une richesse spirituelle, ils perdent leur tête. Ils perdent leur tête, ils n'arrivent plus à avoir les pieds par terre, ils commencent à faire n'importe quoi, parce qu'ils sont arrivés tellement haut qu'ils se sont détachés de la réalité des choses. Après, ils peuvent arriver à faire des bêtises énormes. Parce que justement, ils sont montés. Et il y a des gens qui sont descendus, et que quand ils sont en bas, ils se laissent abattre. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut se reprendre, même qu'on est en bas. Celui qui a cette technique-là, dans la montée et la descente, il peut s'en sortir tout le temps. Parce qu'il y a toujours une façon de revenir. Il y a une façon de ne pas monter trop haut, il y a une façon de ne pas descendre trop bas.
Ça, ça vient par un équilibre que la personne, elle arrive à trouver tout le temps, le Retso Vachol. Valken, Beshabbat, Enotli Malulav, Mitam Anal. Tout le inyan que de Shabbat, on ne prend pas le loulav le Shabbat. Pourquoi on ne prend pas le loulav? Parce que Shabbat, il n'y a pas Retso Vachol. Le principe de Shabbat, c'est qu'il n'y a plus la lutte dans les birourim du Retso Vachol, comme on fait dans la semaine. Gabé Shofar, Shemaya Virnu Arba Amot, Shubgam Abikiu Tanal. La même chose dans le chauffard, on ne prend pas le chauffard. Pourquoi? Parce que c'est écrit, on ne prend pas le chauffard, on a peur qu'il le porte 4 amot dans le Rechout Arabim. Maintenant, ces 4 amot dans le Rechout Arabim, c'est les 4 bekiout, c'est les 4 fonctions qu'il y a du Retso Vachov dans la montée et dans la descente. Kigam le tilat lula voletaken prinat adam chez walide abekiout anal, chez karon imshach le deshmirat Shabbat. Maintenant, le fait qu'on garde Shabbat, ça donne la bekiout dans le loulav. Parce que le Shabbat, il va nous faire goûter une vérité qui est une vérité absolue. Et après, on peut rentrer dans le relatif avec. Il n'y a aucun problème. Mais dans le Shabbat lui-même, il n'y a pas de relatif. Le Shabbat, il est absolu. Il n'y a pas de relatif dans le Shabbat. Shabbat, on n'a pas le principe d'aller-retour. Shabbat lui-même, il nous apprend à vivre ce principe-là. Mais lui-même, le Shabbat, ce n'est pas un jour de Retso Vachov. Zeprinat Oshana Rabba chez Asrotum Abdusha, Beprinat Chotam Betochotam, voir Bekavanot Arizal. Alors, le jour d'Oshana Rabba, on va signer la Gdusha, c'est-à-dire on va sceller tout le travail qu'on a fait pendant tout Elou, les Tishré. Chotam al Chotam, Zeprinat Chuva al Chuva. C'est Chotam al Chotam, c'est-à-dire deux seaux, deux tampons, comme dans la Kashrout, par exemple, tu envoies de la viande à quelqu'un. Il faut que cette viande-là, elle ait deux tampons. Tu ne peux pas mettre un seul tampon. Tu envoies quelqu'un de la viande par la poste, par exemple. Ou tu mets dans un bus quelqu'un et tu lui dis, voilà, qui passe là-bas, le bus, tu vas prendre la viande que je t'ai envoyée. Tu ne peux pas l'envoyer avec un seul tampon. Il faut deux tampons. Valken chotam begematria shlosh pa'amim ekiye b'shlosha miluim k'mudeita sham bekavanot. Maintenant, le mot Chotam, c'est la valeur numérique de trois fois Ekié. Le Shem Ekié, je serai, le Shem qu'on a vu dans Torah Vav de la Tshuva. Beshlosha Milumim, c'est-à-dire quand tu le remplis avec les trois Aleph. Comme chez Tacham et Kavanot, comme c'est écrit dans les Kavanot du Arizal. Ekié Prina Tshuva Anazami Lemeve. Qu'est-ce que c'est Ekié? Ça veut dire je me prépare à exister. Ou basé au skim kolieme Elul. De ça, on fait tout le mois de Elul, on s'occupe de ça. On se prépare à l'existence. Vaikar, mais Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shem Sarayim et Tshuva. Et le Ikar, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippur, qui sont les 10 jours de Tshuva, chez Oskim Bahem, la Asot Tshuva. Ces jours-là, on s'occupe de faire Tshuva. On le taken darke à Tshuva le Hatzmo, et on répare les chemins de la Tshuva, c'est-à-dire on fait l'apprentissage de la Tshuva pour nous-mêmes, ou le Kol Bayolam, pour le monde entier. Chez Kulam, id Gabrou, le Lerbe darke à Tshuva Tamid. Que tous ils puissent se renforcer d'aller tout le temps dans le chemin de la tshuva, velo yashuvu od le chrisla, et qu'ils ne retournent plus à la bêtise, à la folie, que le monde arrête d'être fou. Vezetzrichim leda ou la amin. Et ça, il faut savoir, il faut avoir confiance en ça. Chez Bichlal Israël, metaknim tikkunim gdolim venoraim binyanze, bechol shana veshana. Que le Ham Israël, il fait des réparations très très grandes et très très redoutables tous les ans dans ce principe-là. Shaikar klal atikunim vakavanot akdoshot amevoarim bezor akadosh ubekidvei arizal ubesharei sfarim kdoshim alpi darkam bakodesh. Que maintenant toutes les kavanot, toutes les réparations qu'il y a dans tous les livres, que ce soit le Zohar ou le Kidvei Arizal, Aikar ou le Hamshir tikunim le Hamtikadinim, tout le inyan qui c'est d'arriver à amener des réparations qui adoucissent la rigueur. Jésus klal kolavanot kavanot kayadua. Parce que c'est connu que toutes les kavanot du Arizal, ça n'a qu'un seul but, c'est d'adoucir la rigueur d'Hachem dans le monde. Le ikar, c'est d'annuler, de repousser les klipotes qui profitent des dinim. Comment nous, on a été sauvés? Comment on nous a permis de faire tshuva? Parce qu'il y a un adoucissement de la rigueur. Normalement, on n'avait pas le droit de rentrer. Jusqu'à tel jour, on a eu le sroud de nous rendre compte de la vérité. On n'avait pas le droit de rentrer. Les dinim, la rigueur, elle nous accusait, elle nous empêchait de voir la vérité. Tous les gens qui sont loin, c'est pas parce qu'ils veulent être loin, parce que ce sont les résultats de la rigueur.
C'est des accusations qui les ont mis en prison spirituelle. Pourquoi ils n'arrivent pas à sortir de leur endroit? Parce que pour l'instant, ils sont accusés. Et on leur met des limites. Ils n'arrivent pas à voir la vérité. Mais petit à petit, à chaque fois qu'on répare au Shoshana, Kippour, le fait qu'on va à Ouman, tous ces tikkunim, gdolim, ils adoucissent la rigueur, c'est-à-dire à chaque fois on libère des gens de leur prison spirituelle. De manière à ce qu'on puisse faire des efforts et arriver à aller dans les chemins de la tchouva sans arrêt, c'est-à-dire tout le temps progresser, ne pas stagner. C'est pour ça que le Rebbe il a expliqué d'après son chemin qui est redoutable et extraordinaire. Il a dit que toutes les kavanot de Elul qui sont écrites dans les livres du Harizal, elles sont dans la Torah Vav. Que tout c'est il a ramené toutes les kavanot du Harizal. Il les a ramenées dans quoi? Dans connaître les chemins de la tchouva. Parce que connaître les chemins de la tchouva, c'est ça réparer le monde. C'est ça adoucir la rigueur du monde. Que c'est la bikiyud de l'alakha. C'est-à-dire le fait de savoir avancer proprement et reculer proprement aussi. Le fait d'avoir des progrès qui soient propres et des reculs qui soient propres aussi. Alors quand on fait ça, c'est ça qui répare le monde. C'est ça qui amène dans le monde la lumière d'Hachem. Et ça, c'est cette bikiyut dans l'alakha. Alken be yom kippour, she'az gomrim Israël tikkun derech hatshuva anal. Pour ça que yom kippour, que l'homme Israël finit le derer de la tshuva, c'est-à-dire quand yom kippour, c'est après aseret yemi hatshuva, c'est-à-dire on finit les jours de tshuva. Na'ase prinat chotam echad, she'u shalosh pa'amim ekiyeh. Donc on a fini le travail d'un sceau, d'une signature qui est ekiyeh. She'u prinat hatshuva anal, que c'est la tshuva. Aynu she'chotmim akdusha. C'est-à-dire on signe que tout le temps on va progresser. C'est ça ce qu'on fait après Yom Kippour. Qu'est-ce que le Khotam de Yom Kippour, la signature, c'est qu'on s'engage à tout le temps avancer dans la Kdusha. Et plus jamais on va s'éloigner d'Hachem Chas V'Shalom. Aval kvar mevoar shebekleut kedusha zeh chodesh tishrei nechshav ad Yom Kippour b'chinat ha'il. Mais comme on a dit que tout le mois de Tishrei jusqu'à Yom Kippour c'est considéré comme un moment d'élévation. Ou besikot metaknim b'chinat nafik. Et Sukkot c'est quoi? On répare la sortie. Qu'est-ce que c'est Sukkot? On sort de sa maison. C'est-à-dire on va vers l'extérieur. C'est-à-dire on descend. À Sukkot, on provoque la descente. C'est-à-dire, on va simuler une yérida. C'est ça la Sukkot. Alken besof yom acharon shel Sukkot, shu Hoshana Rabba, oskim itaken chotam prinat tshuva al tshuva. Donc à la fin de Sukkot, qui est Hoshana Rabba, on fait la réparation de la deuxième tshuva. Ki beklaliut em prinat achat. Parce que maintenant, si on les prend les deux, c'est une seule chose, c'est-à-dire que le principe de jusqu'à Yom Kippour, le principe de Kippour jusqu'à la fin de Sukkot, c'est la même intention, mais seulement c'est deux techniques différentes. Il y a la technique Yom Kippour, c'est-à-dire jeûner en blanc, avancer vers Hachem, etc. Et il y a la technique Sukkot, on mange, on dort dans la Sukkha. On sort dehors, on mange et on dort. Alors on va connaître Hachem, quand on mange et on dort, on va connaître Hachem aussi dans le progrès. Comme on va bien voir les Elbe Atoranal Bim Koma. Aïnou qui prinat baki be'il, baki benafik, baki berzo, baki vachov. Prinat imesak shamaeshima, tavatseol shionineka. Tout ça c'est pour apprendre le métier, savoir comment monter comme il faut et comment descendre comme il le faut. Prinat nikuda eliona nikuda tartona, shem prinat moshe viyoshua. C'est-à-dire le point d'en haut, le point d'en bas, qui sont Moshe Rabbeinu et Yehoshua. Chama ulvana, soleil et la lune. La kol et prinat achat. Tout ça c'est une seule chose. Et kol ze. Prinat tshuva al tshuva. Et tout ce principe-là, c'est pour arriver à faire tshuva sur la tshuva. Ki mi shezoche le kabel prinat bekiyut anal mea tzadik haemet. Parce que celui qui a le mérite de pouvoir reconnaître et recevoir cette technique-là du tzadik haemet, il la reçoit du tzadik. Ou ose bevada et tshuva al tshuva tamid. Lui, c'est sûr qu'il fait tout le temps tshuva. Beze darga sheu. Que là où il se trouve, n'importe quel niveau, il fait tshuva sur la tshuva. Ben ba'aliyah, ben bi'irida. Qu'il soit en montée ou en descente, tout le temps, il essaye de s'arranger. B'chol ha'prinot she'yesh ba'aliyah ou bifrat bi'irida. Et dans toutes les prinotes, qu'il aille bien, et particulièrement quand ça ne va pas, il essaye de faire tshuva sur sa tshuva. Ki chazak beda'ato tamid le'amshir atzmo le'darkei ha'tshuva, ye'er she'yeh. Parce que dans son esprit, il est fort. Que tout le temps, il va se ramener. Il va venir vers Hachem.
de n'importe quel endroit où il est, il a le réflexe du ressort, c'est-à-dire il revient vers Hachem, tout le temps il revient. Il y a un retour, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il est, c'est-à-dire que n'importe, il ne regarde pas s'il se trouve en Aliyah ou en Yerida. Là où il essaye de se rapprocher d'Hachem, n'importe comment, dans quelle situation qu'il soit. Que je monte vers le ciel, tu es là. Ou je descends dans l'abîme, aussi Hachem, tu es là. Et tout ça, c'est le chemin de la tchouva, que le tzadik qui s'occupe, les taken, de réparer im tfilot Israël, avec les prières du Ham Israël, avec les cris, avodot, le travail, chez Osek Beyamim Anoraim, que tout le Ham Israël y fait pendant les loul et tishré. Pendant ce temps-là, les taken d'Arkei Hatshuva, comme ça le tzadik, il met taken les chemins de la tshuva. Alken besukot, chez Asuskim, les taken prinat nafik. Donc maintenant, à Sukkot, qu'on s'occupe de réparer la sortie, c'est-à-dire la descente, Alken bigmar Sukkot, chez Oshana Rabba, Asbetaklim Chotam al Chotam. À ce moment-là, on répare le Chotam al Chotam, c'est-à-dire les deux sceaux, les deux signatures, chez Uprinat Tshuva al Tshuva, qui est la tshuva sur la tshuva. Shenizkeh anachnu v'kol Israël achtom atzmenu b'chotam d'kedusha, qu'on soit zoché tout le Ham Israël de nous signer d'être dans le sceau de la signature de la kedusha. Chotam al chotam liot chazak, à dire d'avoir deux sceaux pour être fort. L'élève est d'arkei tshuva tamid, d'aller tout le temps dans les chemins du retour. Prinat simni kachotam al libecha kachotam azrorecha, comme c'est écrit, mets-moi, c'est écrit dans Shir Hashirim, place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Qui azak amavet ahava, parce que elle est forte, elle est forte comme la mort. L'amour, il est fort comme la mort. C'est-à-dire que j'ai un tel amour pour Hachem, que ce soit sur le bras, une signature sur le bras, une signature dans le cœur. Ces deux signatures, ça veut dire que c'est un engagement total avec Hachem, parce que j'ai un amour très très fort pour lui. Alken chotam begamatria shtepamim derech. C'est pour cela que chotam aussi, ça a la gamatria de deux fois derech. D'accord, tu prends derech, deux fois c'est chotam. Kishtepamim derech imavav otiot gamatria chotam. Parce que deux fois derech avec les six lettres, ça fait chotam. Ça fait le sceau, la signature. Kikar chotam le takem darkei tshuva anal. Parce que toute la signature, le sceau, c'est de réparer les chemins de la tshuva. Shemprinat ekie bechol aprinot, que c'est l'union de devenir, de faire tshuva dans tous les prinotes. Jésus prinat chotam chez ushalosh parmim ekie, que c'est ça, c'est chotam qui fait trois fois ekie, mais que matria jeté parmim derech, c'est la matria valeur numérique de deux fois derech. Alors on a fini nunchet, bezat Hashem, on continuera. Après.